Et salut à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur la 7ème citadelle. Je fais une petite introduction pour vous dire deux petites choses. La première, déjà, un énorme merci à vous, car grâce à vous, j'ai pu rencontrer les Serious Poulp, j'ai pu réaliser un de mes rêves en tant que youtubeur. Donc déjà, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, grâce à vos partages réguliers sur la chaîne, qui m'a permis voilà, d'aujourd'hui de pouvoir réaliser ça. Donc déjà, merci beaucoup pour tout ça, et aussi merci pour tous vos retours extra positifs, que ce soit pour le Meeple Talk ou pour les vidéos de règles. Donc voilà, ça me motive, moi vraiment je kiffe en ce moment ce que je suis en train de faire avec cette série de vidéos, donc voilà. Merci à tous pour vos retours positifs, c'est ultra motivant. Deuxième chose, ça va concerner la vidéo de la partie. Nous faisons l'introduction complète, donc il y aura du spoil. Sachez juste que les Serious Poulp ont prévu que cette introduction soit jouée 3 fois pour la voir dans sa totalité. Donc vous allez voir une partie de, entre guillemets, de ce qui est prévu par les Serious Poulp, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc il y aura du spoil, oui, mais même quand dans un demi vous allez recevoir le jeu, il y aura beaucoup de choses à découvrir par vous-même. Donc je tiens à le préciser. Donc voilà, je pense avoir tout dit, et maintenant, bah, bonne aventure à vous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne aventure. Ah, j'explique rapidement, vous avez choisi votre personnage. Et dans la règle, il y a un historique du personnage pour un peu expliquer d'où il vient, comment il se retrouve dans cette prison, depuis combien de temps, tout ça, voilà. Chaque personnage, donc, comme on disait, vient avec une quête personnelle qui lui est propre, évidemment, qu'il est seul à pouvoir, s'il le veut, tenter de résoudre. Donc moi, je suis Brooks, diplomate de la Phalange, une petite frappe. Et ma quête, c'est « Vos compagnons de cellule vous craignent, et ce n'est pas seulement à cause de votre tempérament. Quelque chose irradie de vous, que vous-même ressentez parfois sans parvenir à l'expliquer. Cette force qui explose parfois en une colère rageuse explique sans doute qu'au terme d'une journée de travail harassant au jardin, vous demeuriez plus vaillante que les autres jardiniers, dont les silhouettes voûtées et le visage émacié témoignent de cette vie de labeur. » Donc je suis une force qui sommeille, un élu peut-être. Un souvenir d'enfance vous revient en mémoire alors que vous vagabondiez à la recherche de nourriture. Une ancienne bâtisse s'était effondrée, faisant chuter une lourde poutre sur votre ami Malek. Vous aviez senti l'affolement s'emparer de vous. Mais ce que vous aviez pris pour de la peur n'en était pas. Non, c'était autre chose. Sous le regard médusé des autres enfants de votre bande, vous aviez réussi à soulever l'imposante pièce de bois le temps qu'ils parviennent à s'extirper. Quelque chose sommeille en vous qui ne demande qu'à être libéré. Oh là là. Oh là là, j'ai choisi le bon personnage. Écoute, moi je suis un guerrier qui est maintenant estropié. Tu veux lire ma quête aussi? Tu lis tellement bien, les gens adorent quand tu lis. Pourquoi? Cette question ne vous a jamais quitté tout au long du trajet jusqu'à la citadelle, où elle hante maintenant votre sommeil. Qu'avez-vous fait ou vu durant votre ultime mission qui a pu conduire votre hiérarchie à commettre pareille injustice? Vous avez beau vous abrutir de travail, vous savez que vous ne trouverez la paix que si vous parvenez à comprendre les tenants et aboutissants de cette sinistre affaire. Mais par où commencer? Donc Kazek est en quête de réponse. Même si Rebecca et la Chouette, les deux seuls légionnaires à avoir survécu, savent quelque chose que vous ignorez, ils ont, dans le meilleur des cas, été livrés à l'une des autres citadelles. Et puis ce n'est certainement pas en captivité que vous découvrirez la vérité. Si vous parveniez à quitter cet endroit, il est probable que votre meilleure opportunité se trouve du côté d'Aberamide. Mais quelles seraient vos chances de survie là où 57 autres, pour certains plus vaillants et chevronnés que vous, ont connu une fin aussi brutale que prématurée? Et donc il y a un petit objectif spécial. Ok, ça marche. Oui. Donc il y a le même système de drapeau que le 7ème continent qui vous permet dans certains cas de prendre un autre numéro pour... Ok. Effectivement. Ça marche. Donc on commence le début de l'aventure, on prenait la carte 014, que tu as là ici, qui va être le début de la... Tout à fait, le début de l'aventure. Votre cellule ne fait guère plus de 15 pieds de côté. Vos camarades se bousculent pour franchir le seuil avant que l'étage supérieur ne s'effondre sur le vôtre. De l'autre côté, la pièce s'ouvre directement sur le vide et le chaos du jardin qui se découpe en contrebas. Une échappatoire définitive pour ceux de vos compagnons de captivité qu'épuisement et désespoir ont poussé à en finir. Je vous rappelle effectivement à quoi ressemble la citadelle. À l'oignon. Avec toutes ces cellules qui mènent sur le jardin central. Et en fait, on n'a qu'une seule grosse plante par citadelle, c'est ça? Ah non, non, on voit qu'une grosse. Non, non, vous avez, non, non, il y a tout un tas de. D'accord, c'est plein ramif, d'accord. Ouais, tout à fait. Non, non. Est-ce qu'il y a des nouvelles icônes que l'on ne connaît pas? Deux cartes, mon ami. Oui, oui, deux cartes. Tout à fait. Vous avez le tiroir, ça s'appelle, c'est fouillé. Alors, dans votre livret, là, vous avez l'aide de jeu avec toutes les actions, mais le tiroir, c'est fouillé. Très bien. Ça marche. Donc, on peut fouiller, explorer et observer. Bah, je suis en train de fouiller, moi, dès le départ. Ouais, t'as bien raison. C'est la 10, c'est ça? La numéro 10. Ouais. Hop là. Alors. Une nouvelle secousse agite avec... Alors, très important, excusez-moi. Oui, bah, oui, non, mais vous avez raison. Mais alors, on a simplifié la séquence d'action. C'est un peu plus simple. Maintenant, la séquence d'action est décomposée en 4. Alors, je prends la règle pour ne pas me tromper dans les termes. C'est d'abord préparation, c'est là que vous allez indiquer le nombre de cartes dans votre matériel que vous allez utiliser. Okay. Ensuite, c'est là que vous allez décider combien de cartes vous piochez. Je rappelle que par exemple, c'est une action, donc c'est une 0-0. Donc on vous dit de piocher au moins 0 cartes, mais libre à vous d'en piocher autant que vous voulez. Si on veut se faire une main, ouais. 0 succès. Alors non, justement, c'est ça maintenant, on y va. Donc ensuite, il y a la pioche, là vous piochez les cartes. Ensuite, il y a le résultat, bah, c'est là qu'on regarde les cartes qu'on a piochées et qu'on voit si on a suffisamment de succès. Okay. Et on finit par les conséquences, c'est là qu'on... cartouche blanc ou cartouche noire. Ouais. Du coup, il n'y a plus de phase où vous gardez une carte en main. Ça n'existe plus. Ça. Vous ne gardez plus de carte en main. Sauf, maintenant, garder une carte en main, c'est une conséquence de certaines actions. Par exemple, vous voyez, quand vous vous déplacez... Ah, c'est la main et la carte dedans, d'accord. Autre différence, vous voyez, le déplacement n'est plus sur les terrains. Oui. C'est une action qui est sur votre personnage. D'accord. Il vous permet de vous déplacer. Vous ne pouvez plus vous déplacer en groupe, d'ailleurs, mais... Enfin, bon, il n'y a plus de ce... Maintenant, vous vous déplacez. Et donc, déplacer vous permet de garder une carte. Alors, c'est une 1-0. Voilà. Et donc, tu as dit 4 cartes max en main, c'est ça? Ouais, toujours 4 cartes maximum en main. Je vous avais plus vous proposé. On a 10. C'est parti, mais je pense que c'est mieux. Et du coup, par rapport aux cartes compétences, on lit le haut, on lit le bas? Comment ça se passe? En général, les deux, encore une fois, là, ça vous dit que quand vous l'utilisez pendant l'action d'un autre joueur, eh ben, vous n'avez pas à bloquer de carte. Ah bah c'est ok. C'est ça l'intérêt. Alors que celle-là, bah, si vous l'utilisez pendant un autre, vous la bloquez. Ça, c'est toujours pendant une action. Donc ça veut dire que c'est valable pour toutes les actions. Vous pouvez appliquer cet effet. Donc vous pouvez dépenser cette carte pour toute l'action, vous déplacer, fouiller n'importe quoi et appliquer cet effet. D'accord, ok. Voilà. Oui, en effet, c'est le petit carré des actions du continent. Exactement. Donc Mathieu, Kazek fouille. Oui, je fouille. Une nouvelle secousse agite violemment la citadelle, libérant débris et poussière du plafond. Dans l'air épaissi de particules, à demi enseveli sous les gravats, vous discernez un corps que vous dégagez non sans mal. Il s'agit d'Éline, une fille aussi bavarde que généreuse, qui partage votre cellule depuis déjà plusieurs années. Elle gît inconsciente, sa chevelure brune, poissée par le sang d'une vilaine entaille au front. En vous rapprochant, vous percevez son souffle faible mais régulier. Donc vous voyez, comme le 7ème continent, quand une carte est capée, qu'elle a une flèche, c'est-à-dire que c'est un événement permanent qui va rester. Sens de lecture, flèche qui pointe vers la case où il y a des figurines. Ouais. Les autres prisonniers ont fui sans demander leur reste. Allez-vous transporter Éline à l'abri du danger ou l'abandonner à son funeste sort? C'est une épreuve de force qui demande de piocher 2 cartes ou plus pour 0 réussite. Bah, mais quand vous lisez les conséquences... Vous soulevez délicatement le corps inanimé et la déposez sur votre épaule. Quel fardeau! Et puis la carte devient endorée après. Ah, mais on ne laisse personne derrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire, elle reste là tout le temps. On va passer pour des sans-cœur et des... Bon là c'est toi qui fais l'action, mais pour ma part... Pour ta part, qu'est-ce que tu fais ? En me souvenant de Malek sous la poutre, je sais que je n'aurai aucun mal à l'aider, à la sauver, donc je vais le faire si tu ne le fais pas. Bah vas-y, je vais le faire, non, je vais le faire, parce que bon, après... Soit un homme, Kazek. Je le sens quand même jugé. Alors normalement, vous devez dire combien de cartes, enfin là, comme c'est automatique, on prendra les deux. Je te sors deux cartes, de toute façon, il y a 0 réussite, donc de toute façon, heureusement, ce que j'en avais... Bah si je n'avais que une, hop là, j'aurais eu une réussite, hop là, ok. Alors... Excuse-moi, juste les statistiques sont pas encore complètement finalisées, donc on n'a pas encore le tableau de statistiques, mais grosso modo c'est plus difficile que le 7ème continent. D'accord, il y a moins de réussite. Il y a moins de réussite, tout à fait. Ça marche. Donc vous soulevez délicatement le corps inanimé et la déposez sur votre épaule, quel fardeau. Donc. Je rappelle que comme il n'y a plus d'étape de garder des cartes, vous défaussez les deux. Oui, les deux sont défaussés. Voilà. Face ouverte pour se rappeler que c'est la défausse, comme vous voulez. Ouais, non mais. 11. Alors. Vous serrez les dents sous le poids du corps qui pèse sur votre épaule. 3 kilos, excuse-moi, votre bras gauche. Si au moins vous étiez assuré qu'Éline survive à ses blessures. Ouais, c'est clair. Des blocs se fracassent non loin de vous, dont les éclats fusent à travers la pièce. Il est grand temps de déguerpir. Ah, donc j'ai une personne inconsciente sur moi. Donc, oui, c'est un objet, c'est un petit sac, ça veut dire que c'est dans votre inventaire. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un petit verrou. Alors c'est une nouveauté, maintenant, petit verrou noir, ça veut dire que cette carte-là, vous ne pouvez pas la donner. D'accord. À un autre joueur. C'est ta charge. C'est mon phare. Tout à fait. C'est pas toi que tu m'as pas dit que tu l'aurais sauvé, toi ? Mais oui, mais tu m'as devancé. Donc, vous pouvez tout à fait la défausser, mais pas la donner. D'accord. Okay. Ah, tu peux la jeter par terre si ça devient trop lourd. Si tout à coup vous dites... c'est votre première carte d'inventaire. D'accord, et donc la carte devient... Ah bah oui, ça, le picto dit effectivement remplacer ça par la 10 dorée. Ça veut dire remplacer cette carte-là, elle est bannie. Hop, vous la mettez derrière et vous la remplacez par la 10 dorée. Et au milieu des décombres, bah, je vous invite à lire ce qu'il y a écrit d'ailleurs sur le... Il y a peut-être écrit quelque chose. Non, il n'y a rien écrit. Ah bah voilà. Non, celle-ci n'avait rien. Au milieu des gravats, un faible scintillement attire votre regard. Immédiatement après que cette carte a été révélée, prenez une carte 49 et une carte 16. Ça, pas... La petite icône losange vert avec un carré vert avec un point blanc, ça veut dire. Ah si, 13. Ah, alors ça voilà, c'était c'est une phrase qu'on mettait souvent dans le 7ème continent et qui nous prenait beaucoup de place. Ça veut dire si disponible. D'accord. Si la carte est disponible, si elle n'est pas là, c'est pas grave. Ok. Voilà. Okay, donc, voilà. Donc là il dit de prendre les deux. Hein. Oui, et... tout à fait. Ok. Donc tiens, 0,16 tu peux lire. Et toi tu lis la 0,49. C'est ça. Tu as gagné de l'espoir. Oui. La perspective de tremper ses lèvres sur une chope d'hydromel peut parfois apporter davantage en train de la promesse des jours meilleurs. Vous pouvez ranger cette carte pour débloquer une de vos cartes. Donc là, c'est que si elle était... Bien. Exactement. Vous pouvez ranger 5 cartes espoir pour prendre une carte 0,99. Oh. C'est en fait les points d'expérience. D'accord. C'est ce qui vous permettra de compléter le sphérié. On n'est plus sur le 0. Vous voyez que c'est une carte donc avec le symbole de livre, donc c'est Besace Carnet, c'est-à-dire c'est une carte qui appartient à tous les joueurs. Qui est dans la zone Besace Carnet, tout le monde peut y avoir accès, et quand un joueur n'est pas là, la carte est toujours... Donc on peut réutiliser la Besace Carnet du continent. Vous ramassez le médaillon doré et soufflez la pellicule blanchâtre qui le recouvre. Un soleil ardent y figure, tels ceux ornant certaines fresques guiborgiennes d'antan. De toute évidence, il doit appartenir à Éline. Étonnant que les gardiens ne l'aient pas confisqué à son arrivée à la citadelle. Donc le collier d'Éline semble être un objet avec, comme on l'avait dans le continent, un bonus quand on arrive sur une quête ou une carte où il y a ça. Je peux a priori le... Alors c'est une action, la petite main avec la spirale, c'est la magie. Ah, faire de la magie, d'accord. Et oui. La chaîne, un nouveau picto qui apparaît dans le 7ème continent, dans le 7ème citadelle, pardon. C'est que là, cette chaîne veut dire que vous pouvez piocher 2 cartes ou plus pour faire l'action. Okay. Autant que vous voulez, par contre, vous ne pourrez comptabiliser que 2 cartes. Ah. On ne comptabilise que le chiffre dans le losange bleu. Vous en pigez autant que vous voulez, mais... Okay. D'accord. Ouais, donc après tu as plus de choix, donc après tu peux combiner les 2 cartes que tu veux pour avoir le plus de réussite. Oui, mais surtout ça va notamment permettre au magicien qui va avoir plein des pictogrammes qui vont l'aider dans le cas de magie, par exemple, de lui avoir plus de succès statistiquement qu'en gardant moins de cartes qu'un autre. Ça marche. D'accord, ok. Ça aussi, c'est avec mon fardeau. Je récupère les 2 choses avec moi. Hop là. Vous voyez que le fardeau, il a une icône rouge, enfin ouais, une action avec un symbole marron obligatoire. Ça veut dire que pour chaque action que vous faites, vous allez devoir appliquer cet effet. Oui. À l'étape du résultat, il y aurait un succès obtenu. Pour chaque action. Je sens qu'elle va vite finir par terre. Je peux vous donner des statistiques sur les démos de le temps de survie. Ça se compte en nombre de cartes. Le survie. Ouais, mais ça se trouve, c'est si dur que ça, c'est parce que derrière, t'as une réussite, t'as quelque chose de ouf. Exactement, ça l'a banni. Sauf que si on le fait, et qu'à la fin, nous apporte rien, qu'elle nous a plus fait chier qu'autre chose, tu vois. Sa reconnaissance éternelle. Ouais, on va rebâtir une cité, il nous faut des survivants. Ça, finalement. Ouais, non. Personne l'a pris plus ça. En plus, elle aimait pas Kazek. Ouais, non. Mauvais deal. Ben moi, je vais observer... Donc pareil, les actions, on alterne comme on veut. Exactement, comme vous voulez, c'est pareil. Voilà. Je vais observer les ruines et les gravats. 12, une grande carte avec beaucoup de postes. Chouette. Vous avancez jusqu'au bord de la cellule donnant sur le vide et jetez un coup d'œil au bosquet sacré qui trône au centre du jardin. Quand une bourrasque manque de vous faire perdre l'équilibre. Relevant les yeux, vous demeurez sans voix devant le spectacle qui s'offre à vous. Une ouverture béante s'est formée sur la façade de la citadelle, désormais éventré. Éclats de voix, hurlements d'agonie et fracas de roches résonnent le long des murailles en formant une cacophonie cauchemardesque. Bien qu'ébranlé par cette terrible vision, l'espoir pointe à nouveau dans votre cœur. La liberté semble à portée de main, pourvu que vous parveniez à sortir de l'édifice en un seul morceau. Immédiatement après que cette carte a été révélée, prenez une carte 0,49 si disponible et si un participant a une carte ayant le mot-clé encombrant, Prenez une carte 017. Heureusement, il n'a pas participé. Ça alors. Tu as quelle carte 040? Il y en a plusieurs. Eh bien, celle-là. Hop là. Et j'ai gagné de l'espoir. Ouais, c'est votre deuxième point d'espoir. Méfiez-vous des pessimistes, ils empoisonneront vos pensées aussi sûrement qu'une rose de tourment. Tiens. Ok. Et... je vous rappelle 5 points d'espoir. Un niveau. Ouais, c'est ça. C'est une casse-cochée okay. Du varié. Nous, on ne prend pas 0,17 parce que tu n'as pas participé à ça. Bon, je check la 15, 0,15. De toute façon, on n'a pas trop de solutions. Tout à fait. Hop, 0,15. Okay. Ici. Ah, j'ai une dorée. Fallait pas le dire. Ah oui, bon. Bon, pourquoi? Par dizaines, les prisonniers passent en courant devant votre cellule. Vous êtes sur le point de vous élancer à leur suite quand un terrible fracas vous assourdit. Des tonnes de pierres viennent de choir dans la galerie qui est rapidement envahie par une vague de poussière. Vous entendez des lamentations entrecoupées de quintes de tout. Donc ça ressemble à un picto de course, donc on va courir. Vous quittez précipitamment votre cellule à la suite de vos camarades de captivité. Quoi qu'il advienne, vous jurez de ne plus jamais y remettre les pieds. Donc c'est une épreuve de cours pour ta vie. Vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite, vu qu'elle n'est pas obligatoire. Mais comme on a tout fait, à moins qu'on ait raté un petit... Non, j'ai checké, j'ai pas vu le numéro. Savoir qui va courir le premier. Eh bien moi, parce que tu n'es pas encombré, je pense. Bah, je vais plus être encombré. Si la question est là, c'est-à-dire que oui, je pense que je vais m'en débarrasser... C'est une action ou je peux... bien sûr, non, c'est pas une action, c'est on la joue au débat. Alors, petit détail, le verrou, je vous ai dit, vous pouvez pas la donner, vous pouvez pas non plus la bloquer. D'accord. Ah, mais oui. Par contre, vous pouvez vous en débarrasser. Je vais le faire. Allez, enfin, elle restera... Elle restera dans la zone... Dans la noire. Je suis désolé, je passe pas. Du coup, elle est bannie. Ouais. Enfin, elle est défaussée. Mais non, elle est défaussée. Il vaut mieux conserver son souvenir que son corps. On n'était pas sûr qu'elle était vraiment vivante en fait. Est-ce qu'on vraiment on a pas perdu. Si cette carte est défaussée, que vous prenez ou que vous prenez une carte, vous êtes blessé, bannissez-la. Donc effectivement, elle est bannie. Adieu. Adieu. Mais on pensera à toi. Oui. Elle restera dans nos cœurs, mémoire. Il vaut mieux pour toi que je n'ai pas vu ça, donc j'étais déjà en train de courir devant. Donc c'est une combien? C'est une action. Donc ça ne sert à rien. Donc pas de réussite. Pas de réussite requise, donc c'est bon, on bannit la carte et on met la... Bah ils disent pas en fait. C'est la même. C'est le petit picto qui dit toujours, ce picto là vert jaune va dire... Oui, je suis, 15 jaune, non, pas de... Et on bannit ça et je mets ma figurine. Ok. Donc ça c'est votre défaut. Ouais. Vous débouchez dans le corridor qui longe les cellules de l'étage. Au nord, le plafond s'est effondré, encore, condamnant irrémédiablement l'accès à cette partie de l'édifice. La respiration lourde et les yeux en feu à cause de l'épaisse poussière, vous avancez. Voilà. Et donc là, vous voyez les premiers éléments, les événements aléatoires qui vont apparaître. Vous pouvez les mettre ici. Ah oui, donc, le brouillard. Voilà, le brouillard. Mais là, vous voyez, c'est le picto. À quoi ça ressemble? Ah, c'est toujours sous forme de brouillard, d'accord. Tout à fait. Mais là, c'est un picto gris parce que vous êtes dans la citadelle. Ah, et donc maintenant, on sait directement à quel thème on est lié au niveau des éléments d'expérience. Non, non, enfin, après, ça sera des numéros. Juste... Mais là, c'est que pour le. Pour le côté. Il y a plus ou moins ça sur le 7ème continent aussi. Enfin, là, tu savais que le 1, c'était de. Oui, c'était pas le 2 ou même le 4, c'était souvent les tunnels. Ok, ça marche. Donc là, moi, pour venir le rejoindre, j'ai juste à me déplacer. Tout à fait, l'action qui est sur votre personnage. Mais vous voyez qu'ici, il y a un petit picto de déplacement. Voilà, il y a une condition obligatoire. Quand vous vous déplacez, forcément, ça vous coûte une carte de plus. Quand on quitte cette carte-là. Tout à fait, quand vous vous déplacez d'ici. Et oui, petit détail aussi, maintenant, on se déplace plus que d'une case. Ah, on peut plus aller jusqu'à l'autre bout, donc il y a quelqu'un. Chaque joueur a une carte action dans son pool de cartes qui lui permet de se déplacer très loin. D'accord. Ok. Et on voit que... Elle a été abandonnée. C'est roleplay. C'est super. Elle a été jetée dans le couloir. Ça marche. Est-ce que tu veux qu'on découvre d'abord les événements et après je me déplace? C'est toujours pareil, on peut regarder sans être obligé de réaliser l'événement. La distance. C'est 0-0, donc je peux le révéler. Tout à fait, en disant, je jette un œil pour voir ce qu'il y a derrière. Mais si derrière il y a une action obligatoire, je surveille. Tout à fait, bien sûr. Tu vas commencer par laquelle, mon cher Dandy? Est-ce que tu es courageux? Vite fait. Donc je jette un œil d'abord. Je vais toujours vers le sud. Ok, toujours vers le sud. Ok. Ah bah voilà. J'allais dire où est Charlie. Ah mais le jeu de mots est présent. Où est Charlie? Vous croisez un prisonnier qui rampe en poussant d'étranges petits cris. Pauvre homme, l'enfermement a dû lui faire perdre la raison. Ou alors il a reçu une pierre sur la tête. Vous lui demandez ce qu'il fait à quatre pattes plutôt que de fuir pour sauver sa peau. Tout à fait lucide, il vous explique que sa meilleure amie Shirley, une souris au pelage cendré, a pris peur et s'est enfuie. Il vous supplie de l'aider à la retrouver. Lorsque vous lirez l'épilogue, bannissez cette carte. Donc, dessous. Pardon. Lorsque vous lirez l'épilogue, Ce sont les cartouches, l'épilogue ou... Non, non, l'épilogue c'est quand vous revenez à la fin d'un chapitre. D'accord. C'est quand vous reviendrez, quand vous demandera de revenir. Donc, c'est un inventaire, vous la gardez en main comme vous voulez. Donc, vous voyez, c'est une quête personnelle, c'est marqué là. Ah, ok. Vous ne pouvez pas la donner à un autre joueur, vous pouvez vous en débarrasser comme vous voulez, vous ne pouvez pas la bloquer, mais par contre, elle vous autorise une nouvelle action. Alors, à toute maman. Ok, je peux faire un test d'observation pour essayer de l'aider, mais il me faut une réussite de 4 avec une carte ou plus. Donc c'est dur, et je ne garde qu'une carte. Comptabiliser une seule carte, c'est extrêmement dur. Oui. Ou alors, si vous avez même une carte 158, je peux faire autre chose. Il a vachement insisté sur être très attentif. le côté couleur dans le coin, ça m'indique que c'est une quête spécifiquement? Non, non, pas du tout. Ça veut dire que... Non, non. C'était une carte. La carte, la couleur indique de quel paquet de cartes ça vient. Si c'est vert, c'est les cartes aventure. Si c'est gris, c'est les cartes exploration. Si c'est bleu, c'est les cartes action. Voilà, c'est ça. Okay. Non, non, ce qui vous indique que c'est une quête ici. Mais là, ça veut dire que ça va dans votre inventaire et que c'est verrouillé. Ok. Oui, oui, bah, je regarderai bien sûr les souris dans les gravats. Mais je vous laisse prendre la carte 019 pour la mettre, effectivement, puisque... 019, on est ici, tiens. Alors, je te fais beaucoup travailler aujourd'hui. Vous progressez dans le couloir, vous appuyant sur les murs pour ne pas vous affaler à chaque nouvelle secousse. Vous en connaissez chaque dalle pour les avoir arpentées de trop nombreuses années. À l'aurore, pour vous rendre au jardin, et à la nuit tombée lorsque vous en reveniez exténué. Curieusement, c'est avec un mélange d'inquiétude et de soulagement que vous traversez ce décor familier, car de ce foyer, il ne restera probablement plus rien le soir venu. Et nous sommes dans un couloir safe. Il n'y a rien en fait. Parfait. Sauf une cellule que l'on peut regarder. Hop là. Bon. Tu peux venir, Kazek, c'est safe. Donc moi je me déplace, donc ça va me coûter une carte. Et si là, vous pouvez la garder. Que je vais garder. Grâce au déplacement. Ouais. Ok. Et je vais checker ici. Ah, un caillou pointu. La chance. Je vais ramasser un éclat parmi les débris. Il faut un excellent projectile. C'est parfait ça. 4 combats, un succès. Parfait. Projectile, collier. Je commence à bien être équipé. Hein. Je suis un peu jaloux. Je comprends. 0,31, hop là. Dès qu'il n'y a plus de 3 mots, je te laisse lire. Hein. Ouais, tiens, tu as pu voir mon talent de... Vous vous tenez devant la porte de la remise où sont entreposés les outils qui vous permettent d'entretenir le jardin et d'augmenter vos chances d'y survivre. Chaque jour, le contremaître, un homme taciturne à la laine douteuse, en assure la distribution aux jardiniers et veille à ce qu'il soit restitué dans le même état. L'épaisse porte est fermée à clé et à double tour. Rien d'étonnant à cela. S'il y avait accès, certains prisonniers pourraient utiliser ces outils à d'autres fins que celles du jardinage. Et encore une action contrainte. Ouais, il faut 2 réussites. 3 réussites en 2 cartes. Mais ça va, c'est déjà plus potentiellement faisable. Oui, enfin oui. En plus, je peux t'aider et bloquer une carte puisque ça ne la bloquera pas. Je te donne 2 moitiés de réussite. Et pareil, c'est pas ça là. Lorsque vous appliquez les feux, ça permettrait pour n'importe quelle action de transformer effectivement des drapeaux, les icônes de classe, en succès. Les siens ou celui qui est là aussi? Non, les siens. Ceux qui sont piochés, les siens. Ok. Je trouve que 2 cas, 3 réussites, c'est chaud quand même. Après, tu peux en tirer plus. Oui, bah oui, bien sûr, il dit ça, mais c'est pas son deck. Ils ont dit, ah bah vas-y, épuise-toi. T'aurais gardé Éline. Et celui-ci vous permet quoi? Tu faisais bélier. Lorsque vous devez défausser une carte compétence depuis votre main, défaussez cette carte à la place. Ah oui, d'accord. Ouais, moi j'ai pas défaussé de carte. Toc. Non, moi j'ai beaucoup de choses à me battre, mais je peux me battre contre la serrure quand même. Est-ce que ma force qui sommeille... Bah, personnellement, je pense pas que ça... Là, on n'a pas... On risque de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour... Peut-être qu'on trouvera une clé, ou que le vieillard fou a une clé sur lui contre une souris. Qui sait? Bah tu me dis, il y a le 0,18 qu'on peut checker. C'est vrai, on l'a pas fait. C'est probablement le cadavre de... Est-ce qu'il aurait la clé? Est-ce que ce serait si facile que ça? Est-ce qu'il aurait pas... 0,18 on check? Allez-y. Ok, vas-y. Face contre terre, un jardinier gémissant tente en vain de se dégager des décombres du plafond qui lui écrasent les jambes. Il semble souffrir le martyre. Vas-y, on l'achève. L'homme tend un bras famélique dans votre direction en vous jetant un regard implorant. On peut essayer de le dégager pour 2 actions... pour 2 cartes ou plus, en conservant que 2 et une épreuve de 3. D'accord. Et si on ne le fait pas... C'est là. Oui, c'est juste... Ah oui, d'accord. Bah, si on n'y arrive pas, il meurt écrasé. Et on est très triste. Je active point de carte 001. Ouais. Bah, disons que si on sauve quelqu'un de conscient, on a plus de chances d'avoir une récompense qu'avec une nana le front ouvert. Ça se tient, mais... Pareil, bah, écoute, le jeu semble nous dire que tous les tests sont durs. Oui. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir en entreprendre. Toi, tu veux le faire, toi? Tu me diras, j'ai des... Défausser une carte pour ouvrir le jeu de main, défausser cette carte à la place. Bon, j'ai une carte qui ne me permet rien du tout. Attendez, c'est bon, la dernière carte là que vous avez? Celle-ci? Ouais. Et oui, elle est extrêmement puissante. Ah, parce qu'elle vous permet, pour n'importe quelle action, quand il y a une chaîne, bah, de faire la chaîne plus 1. Ça, typiquement, la porte, ce serait plus une 2-3, mais une 3-3. Ça, c'est très très bien, oui, ça. Ah oui, ça, c'est très très fort, ça. C'est pour ça que... Excusez-moi. Non, non, je... Oui, non, mais c'est vrai que j'ai pas de... Non, mais je connais le jeu. On est beaucoup plus dans des combos et dans des... C'est vrai, j'ai pas confiance. Bon, alors, là, on fait un choix. On fera pas les deux. Si ça se passe bien en une fois. Soit on ouvre la porte, soit on sauve le gars. Personnellement, j'ouvrirais plutôt la porte. Allez, pour trouver un outil pour sauver le gars. Non, 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 non. Allez, tant qu'on ouvre la porte. On ouvre la porte. Donc, je peux tout de suite utiliser cette carte-là. Alors, au début du, au début du tour, vous choisissez l'équipement. Par contre, les cartes main bleue, vous dites au moment de l'action si vous les utilisez ou pas. Ok, ça marche. C'est-à-dire, si vous piochez des cartes et qu'il y a même en piochant une de plus, ça sert à rien, bah vous la dépensez pas. Ouais. Okay. Par contre, vous devez dire combien de cartes vous début. Oui. On partirait sur 4, je pense que ça peut être pas mal 4. Ça laisse quand même pas mal de... Ça semble être un bon chiffre. Après, est-ce que je partirais pas sur 5 vu que je peux me rajouter une carte de plus pour me laisser un peu plus de choix? Ah vas-y, on part sur 5. Soyons joues. 4 ou 5 là. T'as 15 cartes, hein? Ouais, bah c'est que moi qui fais. T'es bien mignon, on va aller sur 4. C'est vrai, c'est con. Parce que vous ferez qu'une fois. C'est vicieux. C'est vicieux. J'en crois à ma chance légendaire. Allez, c'est parti, on va sur 4. Hop. Bergrune, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. Ah, alors ça veut dire que tu as les 4 logos à la fois? Exactement, ça c'est un joker, ça veut dire que ça se remplace sur n'importe quel picto de classe. Mais un seul? Un seul, ok. Un seul, mais c'est ce que vous choisissez. C'est peut-être le moment d'utiliser ta carte. T'as besoin que je t'aide vraiment? Bah ouais, parce que là en fait, si on fait ça, en fait, on utilisera ces 3 cartes là, et celle-ci tu la transformeras en étoile. Donc voilà, si je ne me trompe pas, j'utilise mon renfort. Alors, tout à fait. Alors, je vérifie. Pour la carte qui est bloquée, je crois que c'est la première... De la pioche? Tout à fait. Mais là, il me dit, je crois, bloquer ça. Ah oui, carte. Bah oui, donc ah oui... là, je bloque mon renfort, mais chaque drapeau vaut une étoile et tu peux en avoir que 2 ah, oui. Max. Celle-là n'est pas bloquée, c'est ça? Elle est bloquée, cette carte, par contre, après. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On aurait dû préciser qu'on... Enfin, ah non, pardon, c'est si un ou plusieurs personnages participent à l'action que vous avez sélectionnée. Ouais, d'accord. Donc c'est que si moi je le fais. Oui, tout à fait. Ok, donc j'appelle mes compagnons en renfort. Donc non, ça ne marche pas. Oui, mais... j'ai pas compris. Ça aurait été trop beau. Ah, ah oui, c'était à toi de dire... Je crois que si moi je fais l'action, je peux appeler des gens en renfort. Ah oui. Ah, dommage. Dommage, mais après on peut tricher comme ça. Ah oui. Effectivement, ça soit, c'est effectivement. On n'a jamais parlé du sens de lecture. Oui, c'est vrai. Ah bah on a échoué. Non, tu as échoué. Par contre, vous voyez, vous lisez la condition d'échec. Alors la tâche s'avère plus ardue que vous l'imaginez si seulement vous aviez la clé ou quoi de forcer la serrure et je remarquais une main avec un. Et ben voilà, ça veut dire que vous pouvez garder une de ces cartes dans votre main. Donc certaines actions peuvent nous faire conserver des cartes. Oui, tout à fait. Après, comme le déplacement ou... Relever les cartes. Jusqu'à 2 cartes dans votre défaut, s'ajoutez-les dans votre main. Ça, c'est pratique, ça. Je peux prendre ça. Je peux prendre ça et ça. Défausser. Dans la défausse. Ok. Bon. Est-ce qu'on retente le coup? Parce que maintenant qu'on a mieux lu ta carte renfort, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit toi qui... Je pense qu'on va faire ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. J'ouvre la porte ou je... Bon. Bah, fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, mais on était parti du principe que le monsieur, on le sauvait pas. Allez, 4 cartes, c'est parti. Est-ce qu'on partirait pas sur 5? 5 cartes. Non, mais du coup, je vais pas utiliser mon renfort, ça va être dommage. Oh, mais moi, je suis un... Mais je t'ai dit, je suis l'élu. Donc forcément. 1, 2, 3. Ouais, élu, tout bah non, parce que tu dois prendre que 2 cartes, mon ami. Ah, non, sauf si tu utilises... Si moi j'utilise... Voilà. J'utilise cette carte. Mais ça vous demande de bloquer une carte, hein, la première de votre... Non, de ma poche. Ok, ça marche. Ok, donc grâce à ça, je peux garder une carte de plus, et donc je garde mes 1, 2 et 3, pour faire mes 3 victoires, mes 3 succès. Ça marche. Et donc, la porte pivote sur ses gonds en grinçant et nous bannissons pour garder la donc même endroit. Et je jette tout ça tristement. Oh là là. La 31 devrait être chargée. Mes 5 points de vie qui vont partir. Bon, il y en a 15, ça va, ça va. Ça va. On va aller normalement. Vous poussez la porte de la remise où des relents terreux et humides flottent dans l'air. Plusieurs ombrageuses y dispensent une lumière blafarde. Oh, des petites plantes qui brillent, c'est joli. Et on arrive dans une remise où ça va fouiller à tout va. Ça t'embête pas, je vais fouiller. Ce que j'ai, je pense que c'est mieux que c'est toi qui aille fouiller. C'est moi qui ai donné, donc c'est moi qui fouille. Fouille. Donc tu te déplaces, il faut que tu tires 2 cartes pour te déplacer. Ouais, parce que j'ai un bonus. Mais vous avez le droit d'en garder une en main. Heureusement. Alors, combat, je peux garder une carte de plus. Si vous appliquez l'effet d'une arme ayant le mot-clé arme, ignorez insaisissable et chaque double drapeau rapporte une étoile. C'est lourd. Ça veut dire qu'on inflige plus de dégâts. On subit plus de dégâts. Exactement, ça veut dire que vous prenez 2 dégâts. Ouais. Ouais, bon. Je sens que les points de vie vont être utiles. On va garder ça. Donc je me déplace à l'intérieur. Puis je vais explorer gratuitement. Je pense pas quoi. Alors, attends, on a quoi? On a ouvert un tiroir. Regardez, regardez. Fouiller, observer. Très bien, je vais observer réellement parce qu'on a ouvert une remise. Et qui dit remise dit peut-être numéro caché ou chose cachée. Ou souris cachée. Non, hélas, non. Mais je vais ouvrir un tiroir. Le 42 donc? Ouais. Ça marche, 42, je pense. Toc, moi. 41, 42. Si je trouve la clé, je suis dégoûté. Plusieurs tonneaux sont adossés à un mur et d'épais sacs de toile jonchent le sol. Les tonneaux sont vides, chouette, et vous pourriez en faire rouler un pour prendre appui dessus. Vous reportez votre attention sur les sacs remplis de terreau. D'étranges tressaillements agitent l'un d'eux. Prenez... Alors, je peux faire une action ramasser, pour gagner la carte 35 si je veux, ou alors escalader. Ah non, c'est que j'ai un avantage pour escalader. Si jamais vous... Okay. Ah oui, observe le 0,23. Je vais fouiller ce sac qui gigote. Carte 0,35. D'accord, ok. Non, mais j'étais parti plutôt pour checker. Alors, du coup, sur toutes les cartes 0,0, vu qu'on ne conserve pas, on n'a plus intérêt vraiment à aller chercher une carte. Exactement, on n'a plus d'intérêt, tout à fait. Donc, ça rend le jeu plus fluide, un peu plus rapide, puisqu'il y a moins cette systématique d'action. Oui, d'ailleurs, vous avez un -1 pour vous déplacer d'ici, ça sera très facile de repartir. Chouette. En fait. Ça sera gratuit, même. Ouais, gratuit et tu gardes une carte, donc double avantage. Vous donnez un coup de pied au sac, c'est pas ce que j'aurais fait initialement, duquel s'échappe un scolopendre long d'une bonne coudée, qui détale entre les barriques entassées sans demander son reste. D'un geste vif, vous attrapez le mille-pattes et lui sectionnez la tête, avant qu'il ne parvienne à vous mordre et de ses crochets avenants. Il frétille encore lorsque vous le glissez discrètement dans la poche de votre tablier. Vous ne voudriez pas avoir à partager cette prise de choix avec un autre jardinier. Ah d'accord, comme ça. Non, non, il n'y avait rien. C'est bon. Alors vous salivez à la perspective de savourer cette collation. Okay. La dalle, quoi. Donc ça me permet gratuitement de manger. Un participant gagne 2 points de vie et on bannit la carte. Attends, faut la montrer parce qu'elle est vraiment... Enfin, elle est moche. Voilà, il a scolopendre sur la tête. Ouais, t'as faim. Voilà. T'as vraiment faim. Ce sera mieux que ce qu'on mange d'habitude. Je t'attends pour fouiller? Non, vas-y, continue. Je fais tout. Je pense que tu peux aller au 0,23. Et ben on va... non. Je vais pas faire 0,23 parce qu'à mon avis, il va y avoir un trou, on va me dire d'escalader et de monter. Bah, c'est ce sur quoi j'étais. Du coup, je regarderai d'abord le 0,30. D'accord. Ah, moi, je voulais voir. Quel emmerdeur. Toi, tu prends le temps. Mais non, mais c'est toi, le mec, on est en train de vivre. Là, ce Brooks, il prend le temps de mourir, tu sais, et l'autre, il est en train de... Alors, qu'est-ce que je peux regarder? Dans une ordonnance toute militaire, le contremaître est un ancien légionnaire. Après tout, quelques outils offerts rutilants sont rangés sur leur atelier au mur. Pendent, tamis, panier et seaux. Bêche ou pelle râteau, vous hésitez, lequel de ces outils pourrait vous être le plus utile dans pareille situation? Et je vais ramasser une carte 0,39. Donne-moi la deuxième. Toi, tu sais déjà qu'il y en a plusieurs. Oh, j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs, c'est si disponible. La deuxième. Hop. Et j'ai un fléau à grains. Un outil agricole servant à battre herbes et grains importants. Ok. Ça permet, alors si je comprends bien, d'utiliser 2 cartes de moins pendant une action de combat ou de force, et chaque drapeau vaudra une étoile de plus, une fois maximum. Voilà, transformer le drapeau en succès, exactement. Donc en effet... Et là le mot-clé... Secondaire. Parfait. Ce qui ne va pas avec provision, donc c'est parfait. De toute façon, je 3. Donc là, tu pourrais entre guillemets fouiller 3 fois, bah, bien sûr. Mais tu vas pas le faire parce que tu vas me laisser m'équiper aussi. Je vais te laisser rentrer et gaspiller des cartes. Vous pouvez donner des objets entre joueurs, du matériel, ça coûte rien. Sans action. Si vous êtes sur la même case, il faut être sur la même case et on peut s'échanger des choses. Au pire, tu chopes tout et puis on verra après ce qu'il y a de bien. Faisons ça. Je pense qu'il y a de mieux. Je te raquetterai. Tu sais déjà ce qu'il y a de mieux, t'as un collier magique. J'ai un collier magique et j'ai un caillou pointu. La 23. Ah, tu veux pas checker les autres cartes 39? Ah, je peux le refaire autant de temps. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a pas... Tant que le piège n'est pas déclenché. Ah, une OU qui donne une victoire supplémentaire en étoile. Un outil de jardinage utile pour ameublir la terre et la gorge de vos ennemis et trancher les racines bien affûtées. Il peut également trancher dans le vif. Voilà. Par contre, si ton action échoue, tu bloques cette carte. Ok. Tu prends l'autre carte aussi. Ça, c'est une arme. Oh là là, mais je suis tellement équipé. Voici le piège. Parfait. Une cognée, un outil réservé aux moissonneurs de la citadelle. Abattre un arbre est à la portée de tous, mais lorsque l'arbre rend les coups, c'est un travail pour les moissonneurs. Mais c'est vrai. Attends, c'est dingue parce qu'elle est arme. Enfin, elle est arme et secondaire. Donc là, d'office, celle-là, tu l'utilises tout seul. Voilà. Ouais. Vous ne pouvez pas obtenir plus de 2 succès au total avec les furtivités et les forces. Ouais. Donc ça veut dire 2 de l'un ou 1 de chaque. Ou 1 de chaque ou 2 de l'autre, mais effectivement vous pouvez pas. Mais elle vous permet de transformer ces pistoles en succès. Ok. C'est ce qui montre qu'effectivement qu'un personnage qui a choisi une voie, par exemple, imaginons la voie des guerriers, et qui a beaucoup de cartes avancées qui ont systématiquement les pictos de classe, va être beaucoup plus efficace avec une cognée qu'un débutant, parce qu'il aura systématiquement ces pictos-là. Très bien, okay. Comme ça, ce sera pour moi. Désolé. Bon, mais y a pas de problème. Tu prends la 023 maintenant. Allez. Un pan du plafond s'est effondré dans un angle de la pièce. Hey! À travers l'ouverture au-dessus de votre tête. Vous devinez la forme anguleuse d'un meuble perdu dans la pénombre de ce qui semble être une chambre. L'interstice est trop étroit pour que vous puissiez vous glisser dans la pièce située à l'étage supérieur. Au prix de quelques efforts, vous devriez pouvoir y introduire votre bras. Et potentiellement le perdre, j'imagine. Donc c'est une épreuve d'escalade qui coûte assez cher, mais il faut 2 réussites et on peut se blesser. Ok. Oui, mais... Kazek, vous avez bougé le tonneau. Viens voir, oui. J'ai trouvé un truc pour... Le tonneau a bougé maintenant, c'est facile. D'accord, donc moi j'ai 3 cartes en main, donc il faut que je déplace, faut que je paye 2 pour me rejoindre. Vous avez le droit d'en garder une. Alors, on vous permet de piocher notre carte à la place. C'est dur ça. Ouais, mais là pour l'instant c'est plus le combat, ça. Malheureusement plus tard, mais après j'ai une carte qui me permet de repiocher dans la défausse. Donc, perdre 2 réussites, ça fait mal quand même. Ouais, hop. Donc... Alors tiens, attrape ça, t'as 2 mains, ouais. Ça te servira. Merci. Donc il m'a donné la houe et le flot à grain. Et j'ai un projectile avec mon caillou pointu. Voilà. Vous pouvez utiliser les 3 en combat. Oh là là, cette potentialisation. Ah ouais, c'est fou. Et donc moi je garde la cognée. Ok, ça marche. Donc là maintenant il faut qu'on grimpe. C'est ça que tu me demandes de faire? Ouais, va voir là où met ton bras. C'est safe, il y a un tonneau. Donc là ils disent 4 cartes. Donc là c'est -2 parce qu'on utilise cette carte là. Tout à fait. Ou une réussite. Et ah non, c'est et ou, donc c'est les 2. Donc déjà sur les 2 réussites, on a déjà une d'acquise. Ouais, tout à fait. Donc moi, en plus là, c'est pas bloqué, donc on peut tirer 5 cartes pour comptabiliser les 5 cartes. Tout à fait. Donc, concrètement, moi j'étais plutôt parti pour tirer 2 cartes. Ça me semble bien. Ouais, on est chaud. C'est moi qui fais. 2 cartes, on réussit. J'insiste. J'insiste, vas-y. Est-ce que tu veux... J'ai défoncé la porte, tu vas mettre ton bras là-haut. Bon allez, je le fais. Et eh ben, oh là là, mais quel expert. Quel expert, non mais attends. Il néglige même le tonneau et dans un élan magnifique saute. Il saute. Ok, donc nous avons réussi, donc nous prenons une carte 0,20. Si disponible. Bon, vu qu'on n'a pas pris depuis tout à l'heure, elle reste disponible. Tiens. Votre main rencontre ce qui semble être le pied d'un pupitre. En tâtonnant, vous finissez par effleurer un rouleau de parchemin qui a roulé à terre. Dressé sur vos orteils dans une posture précaire, vous parvenez à le saisir du bout des doigts avant de redescendre pour en prendre connaissance. Une harente coiffée, donc ça semble être un champignon. Lorsque ce champignon est présent sur une carte événement permanent, liée à la carte terrain où vous êtes, on pourra le manger. Prendre une carte 0,54 et choisir une seule de ces cartes et appliquer l'effet. Et on bloquera notre connaissance du champignon. Ça marche. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est une forme de botanique aujourd'hui. Mais vous allez avoir en cours de jeu que ça marche différemment en fait. D'accord. Ok. Bon. Donc c'est une carte, je crois, Bosa s'est carnée, hein, si je me rappelle bien. Oui, c'est pour tout le monde. C'est vrai, c'est pour tout le monde. Ça va avec les quêtes. Ouais, pas de problème. J'ai envie de garder ça pour moi, parce que j'ai vu que l'autre gardait son 1000 pattes. T'as rien vu. T'es dos. Et on s'en va. Bon, moi le premier, et je... C'est gratuit. C'est gratuit. Et je garde. Oui, tu peux. Je veux une carte. Ah oui. Voilà, je veux prendre des cartes parce que je trouve que j'en ai pas de très bien. Ok. Et donc je te suis gratuitement. Et j'en ai tiré une extraordinaire, donc c'est parfait. J'ai mes 4 cartes, donc il n'y a pas de souci. Et bah donc là, il nous reste plus qu'à nous déplacer. On a fini tout ce qu'il y avait ici, donc là on va descendre. Ouais. Donc on descend chacun notre tour. Et du coup, c'est dur parce qu'on peut plus se déplacer tous les deux au coup d'une carte chacun. Mmh. C'est fini cette époque. Ouais, c'est fini. Là, je viens de me déplacer, je vais tirer 2 cartes. D'accord. J'ai 4 cartes en main. Ah oui, tout à fait. Vous avez le droit de... Je peux jeter une de mes cartes en main pour... Tout à fait, bien sûr. Complètement, okay, complètement. Parce qu'en fait, vous refaites votre main à la fin du tour. Ça marche. Ouais, de toute façon... ben voilà, je me suis déplacé, j'ai pas gardé ma carte, à ne pas garder. Et toi, tu as payé. J'ai payé, donc là, on peut retourner cette fameuse carte qui nous dit... qui me dit quelle plaie vous dit. Une sombre courge s'est retrouvée au beau milieu du passage. Damn it. Elle a répandu ses redoutables graines un peu partout. Mieux vaut éviter d'en écraser, ne serait-ce qu'une, si vous tenez à vos pieds. Ah. Donc c'est un événement temporaire. Comptez le nombre de graines au sol. Prenez la carte correspondante. Si vous vous trompez de carte, vous marchez sur une des graines qui éclate à votre contact. Prenez une carte 003 dans ces conditions. Le symbole là, comme dans le 7ème continent, montre quand on a trouvé le bon numéro de carte. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Voilà. Ça me rappelle une quête avec des fumerolles. Donc là, il y en a 6. Et 6, 12. 12, 18. Moi, j'ai vu 24. Moi. Voilà, forcément, on n'a pas vu le même nombre, c'est une évidence. On a vu 23. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok. Hein? Et maintenant on en a plus. C'est ça qui est terrible, c'est dramatique. 3, 6, 3, 6, donc là on en a 12. Là ici. Moi je vais les faire l'unité. Mais non, regarde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6 là. Ok. Et donc là on en a 6 aussi. Ok. Donc là on est à 12. Donc là on sépare toutes ces parties là. Donc là, ici, il y en a 6 aussi. 4 et 6, ok. Et 6. Et là, il y en a 6. 6 x 4, 24. On pense à 24? Ouais, c'est bien 24. Ouais, je l'ai dit du premier coup, quoi. Il t'a fallu 3 fois pour... Eh oui, mais c'est le rhume. Mais ça se trouve, c'est pas ça. C'est pas ça. Le taux de réussite est de 50%. Je crois que vous n'avez pas bien lu le texte, en fait. Alors, non. Comptez le nombre de graines au sol. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Donc je vous laisse appliquer. Donc on tient la carte 003. C'est tellement vicieux. 50%, c'est le taux de réussite. Et donc, si on a échoué... 003. Alors, le joueur qui faisait l'action, c'était toi. Moi, je fais toutes les actions, donc je lis toutes les cartes, en fait. Le Behemoth devant vous. Tiens, lis la carte. Alors, je vais la prendre, c'est moi qui ai tiré. Alors, vous avez contracté une vilaine blessure et ne récupérez pas vos forces aussi vite qu'à le coutumé. Super, vous êtes blessé. Immédiatement après avoir réveillé cette carte, vous êtes déjà blessé pour une carte de « Je ne suis pas blessé ». Bravo. Donc tu t'es fait éclater la graine de courge au visage. Donc, vous voyez, c'est dans l'inventaire, donc c'est un état. Ça va dans l'inventaire. Vous voyez, mais maintenant il y a le petit cadenas est rouge. Mm-hmm. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la bloquer, vous ne pouvez pas la donner, mais en plus vous ne pouvez pas vous en débarrasser de la jeter. Nice. Pour vous en débarrasser, il faut faire le soin. Donc il y a une action de soin. Et le soin, il faut que je tire une carte ou plus, et j'en compte qu'une seule pour avoir 3 réussites. Donc autant te dire que je vais te blesser un petit peu. L'action est toujours présente sur la carte état. Faut frotter les yeux. Ouais, bah ouais. Donc là, l'action... défaussée, c'est un sablier, donc... Ouais. Bon, bah, et on met la carte 026. C'est... Je suis navré pour toi. Hein. J'étais trop fier de mon calcul et tout. Attention, 23, Kazek. 24, 26, étiez presque. Hein. On est autour et... Une étrange créature erre sans but dans le couloir. Vous vous approchez lentement, paumes offertes pour lui témoigner de vos intentions pacifiques. Elle prend peur et agite en tous sens un morceau de bois dans votre direction. Vous ne reculez pas pour autant. Désemparée, elle tente alors de vous asséner un coup maladroit. Oui, d'accord. Un combat. Oh, quel grotesque animal. Et si on leur voyait une graine de sombre courge. Donc voilà l'animal. Donc là, nous passons sur les phases de combat qui sont clairement différentes de ce qu'on pouvait voir sur le 7ème continent. Tout à fait. Alors là, c'est un autre type d'action, c'est des actions par étapes. Et ouais. En fait, ce sont des actions, pas forcément des combats, vous pourrez trouver d'autres actions dans le même genre, dans le même type, qui sont les mêmes caractéristiques que les autres actions, qui peuvent être obligatoires ou pas. Celle-ci n'est pas obligatoire, parce qu'il va rester dans le couloir le temps que vous réussissiez à l'attaquer. Quand la créature arrive, quand vous allez commencer à l'attaquer, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Uh-huh. Vous allez utiliser un dé, que ça c'est un prototype, le dé n'a pas cette tête-là du tout. Et vous allez le mettre, la valeur du dé, et sur le total des succès à obtenir. Donc là, il faut 3, donc vous allez mettre le dé ici, à 3. D'accord. Okay. À chaque fois que vous allez faire l'action, donc ça sera une action normale, vous allez compter le nombre de succès que vous obtenez. Okay. Si jamais vous réussissez à descendre le dé à 0 ou moins, l'action est considérée comme un succès, vous appliquez l'effet ici. Okay. Si jamais vous le descendez mais pas suffisamment, voire pas, il compte. Ça compte comme un échec. Par contre, tous les succès que vous lui avez mis sont incrémentés sur le dé. Imaginons que vous fassiez 2 succès, hop, on la descend sur 1 et vous appliquez les conséquences de l'effet. Et dès que ça passe à 0, hop, on la passe en dessous et cette fois-ci, c'est 4. On passe à 4. Exactement. Ouais, c'est dur, 1, 4. Ouais, mais ça va le faire parce que t'es le commandé équipé. Attention, elle a une petite chaîne. Oui, une carte pour pouvoir réussir. Voilà, exactement. Bon, déjà de base, moi j'en ai 2 de gagner. Hein. Alors les pictos, ça signifie que le dé va descendre quand vous réussissez. Oui. Ça signifie que le dé va descendre, donc il va sortir, donc l'action sera finie. Remplacée par une carte dorée. Ça signifie que vous allez défausser des cartes de votre pioche directement. D'accord. Donc 2 cartes directement piochées. Par contre, vous allez pouvoir en conserver dans votre main. Et ça, c'est des points de dégâts. Oui, c'est ok, ça marche. Ok. Moi, je peux commencer à attaquer parce que je peux jeter mon caillou, qui est un projectile. Je peux utiliser mon arme, juste arme. Je peux utiliser le secondaire, donc je peux utiliser les 3 d'un coup. C'est vrai que tu peux tout faire en une fois. Ouais. Moi je peux tout faire en une fois. Ce qui fait que déjà de sûr, on a 2 réussites qui sont validées. Par contre, si j'échoue, on perd notre... Enfin, la OU est... Mais je pense que c'est mieux de le prendre pour le deuxième partie, tout à fait. Par contre, ce que je peux faire peut-être, c'est d'aller choisir 2 nouvelles cartes dans ma main, enfin dans ma défausse, grâce à cette carte-là, qui me permet de pouvoir faire des combats. Je crois qu'il y a 2-3 cartes qui me permettent d'avoir des réussites au niveau du combat. D'accord. Donc si on peut se préparer, et après on le défonce. Ça me semble judicieux. Après, je me sens plutôt en capacité de la mocher. Hein. Tu peux faire quelque chose aussi? Lorsque vous défaussez une carte depuis votre main, défaussez cette carte à la place. Bah, au pire, on fait une première fois, et on voit ce que ça donne. Et on subit, voilà. J'ai pas de chaîne par contre, ça m'emmerde. J'aimerais bien avoir une chaîne pour pouvoir avoir une carte de plus. Parce que là, ça veut dire que... Oui, en fait, l'arme ne fait pas de dégâts supplémentaires. C'est juste que si j'ai des furtifs ou si j'ai de la force, je peux monter. Mais comme je ne prends qu'une carte, c'est-à-dire que je lui mettrai que... Enfin, que je lui mettrai plus. Hein. C'est l'heure de compter. Ok, tu pars sur combien de cartes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tu mets 11 cartes. Alors, je vous rappelle que avant de déterminer combien de cartes vous devez piocher, il faut indiquer, par exemple, j'utilise cet objet-là. Et vous pouvez faire pareil dans le cas de soutien, mais par contre, il faudra bloquer une carte pour chaque carte que... Par exemple, si vous dites, bah, j'utilise mon caillou. Il faudra que je bloque une carte d'ailleurs. Ouais. De la main. La première carte de votre pioche. De la pioche. Ouais. Et de G, j'ai déjà bloqué une déjà. Ouais, c'est déjà assez cher payé. Pour un caillou. Je pense que c'est mieux que tu t'attaques et que j'attaque après. J'y vais, vas-y. Alors, j'engage ma cognée. D'accord. Ok. C'est trop fort. Et vous, combien de cartes piochez? Allez, 3. 3, donc t'en comptabilises qu'une seule. Du coup, je vais en garder qu'une, mais. Il y aura peut-être un truc. Et là, voilà, attends. J'en ai... Ça vaut pas de succès malheureusement. Si, tu peux. Oui, mais ça... Ah, bah ça vaut 2. Ça vaut 2. Là, ça vaut 2. Ouais, ça vaudra 1 ici, 1 ici. Ça vaut 2. Malheureusement, qu'une demi-étoile. Ouais, mais t'as aussi celui-là. Ouais, mais je peux en utiliser qu'une. Ouais. Donc vous pouvez comptabiliser qu'une seule carte. Donc je vais utiliser celle-là. Ah, ok. Qui va lui mettre 2. D'accord. Hop. Donc c'est un échec, donc tu défausses 2 cartes. Et je perds 2 cartes, mais j'en pioche une. Ouais. Ça. Hop. Vous ne pouvez pas obtenir plus de 2 succès au total de cette manière. Ok, ça marche. Alors non, vous n'en piochez pas une, mais vous gardez une carte parmi toutes celles... Ah, que j'avais joué, pardon. Tout à fait. Okay. Parmi les 3. Ça, c'est défaussé. Enfin, parmi toutes celles que vous avez piochées pour avoir les succès, voilà, vous avez le droit de garder une. Appliquer d'une arme et le mot-clé. J'hésite à juste défausser mon caillou pour passer à l'étape d'en dessous en fait. bah, ce qui serait une réussite automatique. Attention parce que c'est une 1, donc il faut au moins que j'ai une carte. Oui, parce que, alors par contre, si imaginons je fais 5 dégâts là. Ah non, ils sont pas. Ça compte pas. On est bien d'accord. Certaines compétences ou armes permettront de le faire, mais là, non. Ok, ça va. Bah écoute, je vais tirer une carte et je vais utiliser. Alors je le précise maintenant que j'utilise mon caillou. D'accord. Donc le succès est obtenu. Donc je tire qu'une carte. Bah ça tombe bien. T'as pas besoin d'engager beaucoup là. Et en plus, ces cartes là, je peux la récupérer. Non, c'est qu'en cas d'échec. C'est ça. Ça marche. Un peu caillou et défaussé, c'est bon, le dé descend. T'aurais pas eu intérêt à utiliser que là-haut en fait? Non, parce que si je me loupe... Bah tu peux pas te louper, t'avais qu'un succès. Ah oui, je suis con. Eh oui, excuse-moi, j'étais bloqué sur le fait que je rate et tout, si je rate... On peut réussir dans la vie. Depuis tout à l'heure, je sais pas. Mais ça va, je me suis monté, ça va. J'envoie mon caillou alors que j'ai une énorme matraque, mais c'est pas grave. Non mais j'ai une carte, je vais utiliser une carte là qui me permet d'aller choisir 2 cartes dans ma défausse. Ben, récupérer des bonnes cartes de combat. Bonnes cartes, je l'utilise tout de suite. J'en ai vu une tout à l'heure qui était sympa. Celle-ci. Ça vaut 1 ou 3 si tu n'as que cette carte en main. Donc ça vaudra que 1. Ah ouais, donc c'est pas ce que j'aurais... Ah dommage. Ah. Si vous appliquez cet effet d'une carte et un mot-clé arme ou bouclier... Ah, chaque ouais, tu gagnes de la défense. Ça, ouais, ça typiquement, ça veut dire chez ce picto-là annule les dégâts. D'accord. Donc là, vous annulez un dégât. Ok. D'accord. Ça annule la tâche de sang. Et là, par exemple, ils me disent plus 1 et ignorer l'effet X. Ouais, là, il n'y a plus, mais au-dessus, ça aurait été utile. Ah, ok, d'accord. Voilà, typiquement, ça marche. Permet d'ignorer cet effet-là. Je peux en prendre 2 cartes. Après, c'est cool d'avoir le 2 cartes du coup. Hein. Si vous perdez un point de vie, sauf si votre niveau de maîtrise... garde toutes celles de chaîne pour le tuer plus facilement. Peut-être, hein. Les deux, même de chaîne. Voilà, vous venez de mettre le point sur, sur une petite règle que je ne vous ai pas expliqué, j'en profite. Parmi toutes les évolutions que vous pouvez faire dans l'arbre d'évolution, il y en a une, c'est la maîtrise. Okay. Vous commencez à 1, et en fait, vous allez augmenter vos scores. Et beaucoup de cartes vont avoir un effet qui va changer en fonction du niveau de maîtrise. Le niveau de maîtrise, il est global à tout groupe. D'accord, ok. Donc ça vous permet d'augmenter l'effet de certaines cartes sans changer la carte. Parfait, puisque vous allez voir qu'il y a des cartes compétences avancées, quand vous les récupérez, il faut défausser des cartes de votre deck pour les échanger. Donc toi tu penses que moi je te recommande de prendre les 2 chaînes, comme ça, tu comptes 3 cartes et tu lui dis au revoir en un coup. Ça roule. Voilà. Donc on part là-dessus, donc ça c'était les cartes que j'avais en main, et je prends ces 2 là. Donc là, je fais mon combat, donc moi il me reste plus que, je crois, 4 cartes. Pas beaucoup. Mais avec quels objets ? Je vais utiliser de toute façon ma houe, parce qu'en fait de toute façon... Ah bah si, je peux aussi... Bah prends les 2, prends les 2. Parce que ça me permet d'avoir, si j'ai un drapeau, ça me permet d'avoir un succès en plus. Donc j'utilise ces 2 cartes là, par contre j'ai... Ici, il me reste plus que 4 cartes dans mon deck. Parce que j'utilise les 4, comme ça on prend aucun risque. Par contre en étant blessé, quand je fais une récupération, au lieu de récupérer mes 15 cartes, je récupère que 9. Oh dur. Bah peut-être 3, et tu gardes tes 3 cartes, et t'y crois. J'en ai jusqu'à 4 et de... Vas-y, vas-y. Non, c'est moi qui m'a compris. Non, non, c'est... Là, me dit quoi? Ils disent après récupération... Tu prends moins 6 cartes en fait. Ah oui, ah oui, c'est pour ça que j'ai peur, non, parce que c'est pas 15, vous en avez 20. Je comprenais pas. Ah, donc ça fait 14. Oui, c'est que genre, on a marqué 15, c'est pas très intelligent ça, parce que potentiellement votre deck peut monter jusqu'à 40, donc non, non, c'est moins 6, c'est ça. Ah oui, c'est 15 plus les 5 cartes de. Ouais, tout à fait. Autant pour moi, c'est donc très sérieuse blessure. Bon, j'utilise mes 4. Vas-y, vas-y, sois un homme. Hop. Et ça fait 2 réussites. Ça fait 2 réussites. Ok. Là, t'as battu un drapeau. Donc un drapeau, ça compte comme une victoire de plus. Vous ne pouvez en comptabiliser qu'une seule. 3, on a utilisé 2 chaînes justement. Ah d'accord. C'est que j'ai mes cartes, c'est pas encore. C'est pas encore utilisé. J'ai cette carte là, elle sert à... Ah si, elle sert à rien, elle sert parce qu'il y a un drapeau là. Ouais mais il faut en choisir 3, mais les 3 autres états où et le fléau à grain suffisent a priori. Il faut combien de cartes? En fait il faut 3 cartes, donc j'utilise ces 2 cartes là. S'exposer et ça. Est-ce que tu n'as même pas besoin que de 2 ? Non, parce qu'il faut 4 réussites. Il faut bien les 2. Ouais, je prends tout. Heureusement que vous avez trouvé les armes dans l'armoire. Hein. Il y a des gens qui ont été sans armes. Ah ok, c'est un peu long. En tout cas, j'aurais pas eu le réflexe de fouiller 3 fois, mais c'est vrai que ça te dit quand tu ne peux plus. Donc là, on est d'accord, 1 réussite, 2 réussites. J'utilise ces 2 cartes-là pour comptabiliser, donc 3 cartes en tout. Ouais, et t'as le fléau. Le fléau et qui me permettent avec un drapeau, donc de pouvoir gagner une étoile et le wood de toute façon qui donne. Donc, Monster is dead. Donc ça, c'est mes cartes qui vont... Dans ça, ça aussi, ça va dans la défaut. Et tiens, mélange aussi. Donc lui, il est out. Ouais. On le bannit, on met la carte 26 dorée. Tiens. Donc là, vu que j'ai plus de cartes, je suis obligé de le faire tout de suite. Là, non, normalement, c'est la prochaine action où on vous le demande, c'est vide, donc oui, automatiquement, 5 points, et 5 points de vie en moins. Et... Dans le clair-obscur du couloir, vous évoluez grâce aux trouées ouvertes par les effondrements successifs. Passant devant une porte entrebâillée à l'ouest, vous ne pouvez réprimer un frisson de crainte. La chambre des questions, où l'on finit toujours par avouer, quand bien même on n'a rien à cacher. De la cellule lui faisant face, vous parviennent des hurlements enragés. Mais j'aimerais bien trouver Charlie. Charlie, non mais t'es sérieux ou quoi? Parce que là, il y a aussi ces zones-là, si tu veux checker en 0.6. Ah mais oui, on l'a pas fait, bah je vais faire ça, moi je vais regarder toutes les cellules en passant. Non mais mec... J'ai de l'intime pour... Je sais pas pourquoi je sens que... Ah, il y a plusieurs 36. Ah oui, en effet, ça peut mal finir. Ah oui, la 36, ça... Ouais, c'est la bonne. Là, je veux la 2. Ah, c'est qu'il y a eu le texte, c'est dans le texte. Non, c'est le même, mais moi, je veux forcément la 2. Le resto est toujours le même. Je ne prends jamais la première. La branche d'un gigantesque ajaquier s'est abattue sur la cellule. Plusieurs de ses fruits ont éclaté au sol, desquels s'échappe un parfum musqué si puissant qu'il en est presque écœurant. Tandis que vous reculez pour ne pas être incommodé, leur fragrance entêtante embrasse votre corps et votre esprit d'une vitalité insoupçonnée. Mais je suis l'élu. Immédiatement après que cette carte a été révélée, chaque personnage présent sur la case terrain du joueur actif, donc nous deux, pouvant ranger la carte, vous êtes épuisé. Mais toi, tu es blessé. Et alors, ça donne un effet permanent tant qu'on est ici. Chaque symbole que l'on comptabilise permet de rajouter 2 cartes sur sa pile. C'est dommage d'avoir fait ça après le combat. Quel dommage. Mais c'est pas grave. Non, bah écoute, on se déplace. Hein. Enfin, moi en tout cas, je me déplace. Je tire une carte que je récupère directement dans ma main. Et je me déplace ici. Est-ce que tu me suis ou pas? Vas-y, check d'abord. J'aime bien savoir où je mets les pieds. Alors, marcher, marche ou crève, excuse-moi. Il existe 2 types d'individus, ceux qui survivent malgré eux, jusqu'à ce que Dame Chance décide de leur retirer sa bénédiction, et les autres, êtres d'exception, moi, qui font fi de ce que le sort s'acharne à leur jeter dans les pattes, et avancent coûte que coûte sans ciller. Il est temps de montrer à tous de quelle trempe vous êtes. Okay. Lorsque vous lirez l'épilogue, si les joueurs totalisent plus de 20 points de vie, prenez 2 cartes expérience et défaussez cette carte. Bah toi tu crèves, voilà. Oh là là. On le sait maintenant. Ça c'est pour moi. C'est okay. Jouable, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. T'as un scolopendre, c'est jouable. Ah oui, c'est vrai. 2... Attends, t'as combien? T'as 10? Bah oui, j'ai dépensé 5 points de vie pour... parce que j'avais plus de cartes en fait. On est bon alors. Faut juste que je dépense le moins de cartes possible. Plusieurs prisonniers en proie à une grande agitation se tiennent au sommet de l'escalier menant à la cour intérieure. Des éclats de voix parviennent à vos oreilles. Une petite équipe de jardiniers qui nous regarde qui regarde l'escalier d'un air menaçant. Est-ce qu'on rush pas? Non, on rush pas. Non. Parce que là t'as une action. Oui, moi je vais écouter. Je vais te rejoindre. Ouais. Bon, par contre c'est en route parce que j'ai pas des actions qui me plaisent beaucoup, mais bon. Prévoyant, à l'étape de conséquence, mélangez une carte que vous avez révélée dans votre deck d'action. Et ben c'est voilà, on abandonne le renfort parce que je n'ai pas confiance dans tes capacités. Ah, et on garde prévoyant. C'est dit au moins. Voilà. Et on va écouter au temps. Les choses sont posées. Voilà, comme ça on part à l'aventure avec une idée claire de comment ça se passe. Je garde un ressentiment pour Éline, quoi qu'il arrive. Hein. Non mais cela dit, on n'aurait jamais fait tout ça avec elle sur le dos. Ça n'aurait pas marché. Encore, il y aurait l'action de la poser quelque part. Je l'aurais posée. On l'aurait jeté sur le monstre. Je vais regarder la carte 43. Enfin, je vais écouter la carte 43. Surtout. Tu veux écouter la 43. Ok. Bon, écoute 43. Moi, je t'attends parce que moi, j'ai envie de descendre en fait. Mais vu que je suis obligé de t'attendre, vas-y. Ils sont plus que nous. Gardons ça à l'esprit. Oui, vous aurez des gentils. Hein. À mesure que vous approchez de la cellule, les cris bestiaux gagnent en intensité. l'instinct vous dicte... Ah, c'est vrai qu'il y avait des rugissements. L'instinct vous dicte de ne pas y mettre le nez. La raison de poursuivre votre chemin. Le temps presse, mais la curiosité est plus forte. Aussi, vous dirigez-vous vers le seuil où vous restez tétanisé. Les vêtements en lambeaux, un prisonnier en pleine démence est en train de lacérer ses chairs en hurlant. Sous sa peau devenue verdâtre se dessine un réseau de veines sombres où se répand progressivement de la sève noire. Super. Et là, c'est comme dans les films. Bon. Ici, ça vaut pas le coup. Il n'y a rien. Vous connaissez suffisamment cette affliction provoquée par la piqûre des épines de la fleur de sang pour savoir que le bougre est condamné. Il suffirait d'une poussée pour mettre un terme à son agonie. Une poussée ? Oh. Ouais, c'est une petite action à 6 cartes quand même. Hein. Pour une réussite. Est-ce que j'ai de quoi réduire ? Non. L'individu résiste... ouais. Et donc, faut que j'essaye de le pousser. Et... la force. Je peux réduire de 3. Si tu veux défausser 2 cartes ou défausser 7 cartes. Et moins 3. Pour une action. Je crois qu'il y a même le fléau qui peut vous aider. Moins 2. Ça fonctionne en épreuve de force. Dans la tête, ah, de basculer. Bah limite, fais-le tout seul peut-être. Et donc fléau plus ma carte. Ça te fait... Ça me fait 5 cartes. Ouais, non, potentiellement une réussite facile avec un drapeau. Ou... Bah facile, il n'y a pas de changer de drapeau quoi. On part sur combien de cartes ? De ce que je suis seul qui est... Ah, c'est ton deck. C'est tes points de vie, je ne glisse pas là-dedans. Je rappelle juste qu'il faut essayer d'en avoir 20 à la fin. Mais... ça serait bien. Combien de cartes ? Je réfléchis. Je dois réfléchir 2 ou 3. Que moi, c'est plus bourrin que poussé, en fait. J'ai envie de taper sur 2. Ouais, moi, ça me semble bien. Je pense qu'en plus, tu as mélangé ton jeu... Surtout qu'en plus, il se passe rien, il dit juste résiste à votre empoignade. C'est ça. Donc je prends pas de risque à part de m'épuiser. C'est ça, mais je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Ok. Oui. Donc bien sûr, j'ai oublié de le dire. Oui. J'utilise le flot à grain, hein, c'était bien évidemment. J'utilise. Et t'as de la chance, il y a un drapeau. Hop là. Ce drapeau me donne une réussite grâce à cette carte-là. Donc t'as tiré 2 cartes quand même. T'aurais pu faire avec une, tu vois, c'est dommage. Hein. Oui, bah oui, si j'avais su. Hein. On ne sait jamais. Et donc il tombe, l'individu résiste à votre empoignade, mais vous finissez par avoir le dessus et précipitez dans le vide. Prenez une carte 0,53, défaussez cette carte. Ah d'accord, oui, bah oui, il fallait juste le faire tomber dans le vide. Oui, c'est ça. Je m'attendais à ce qu'on le pousse, il tombe et pouf, il éclate dans un... D'accord, donc peut-être pas dans un délire. Alors, 0,53... Alors, vous êtes déchaîné. Ouh. Votre fatigue se meurt en une intense colère. Mmh. Se meut, excusez-moi. Immédiatement après révéler cette carte, rangez votre... Vous êtes épuisé. Je ne suis pas épuisé, je suis blessé. Et donc maintenant, donc tout le temps, ouais. Ça. Pour chaque action, c'est fort ça. Tu peux transformer un joker en succès. Lorsque Max vous effectuez une récupération, rangez cette carte. Ouais, ça durera que jusqu'à votre prochaine récupération. Bah c'est plutôt fort. Ouais, c'est extrêmement puissant. Ah, bah ça, il est déchaîné, le fait de l'avoir... Unleash the beast. Libéré de ses souffrances. The Kraken. Vous avez libéré de ses souffrances. Oui, on l'a libéré. D'ailleurs, j'ai libéré aussi. Là, non, par contre... C'est pas ça l'histoire. C'est pas sûr. Vas-y, je vais regarder. On regarde ou... Bah, c'est un rosier. C'est un rosier, c'est dangereux. Vu ce que ça a fait en face... Non, rappelez-vous le texte derrière, qu'est-ce qu'il disait. Qu'est-ce que ça disait? Toi, t'as mal lu. Passons à une porte. La chambre des questions où l'on finit par avouer combien... Ah oui, c'est vrai. Et la cellule qui faisait en face, c'était le hurlement rangé. Donc est-ce qu'on va vers la cellule des réponses? Pour demander des réponses. Est-ce qu'on a besoin de réponses au moment où on doit s'enfuir, en fait? Est-ce que c'est le moment? Bah, c'est vrai que d'un point de vue roleplay... Non, j'aurais quand même tendance à essayer de fuir. Bah ouais, moi pareil, mais après si tu veux... Non, faut laisser un peu la surprise aussi aux gens, tu vois, si on fait tout le... Allons voir les 4 comparses. Donc ça ne coûte rien, c'est gratuit. Tout à fait. Moi je pioche pas de carte quand même, toi non plus. Non, je suis bien, je suis bien. Ok. Et là, vous voyez, on vous oblige à faire cette action dès que vous arrivez. Dès qu'on rentre, c'est la 0,24. Ok, ça marche. Ce qui me semble... 0,24. Une large portion de l'escalier s'est écroulée. Il faut désormais franchir un gouffre pour atteindre les marches qui permettent de descendre. La tâche paraît aussi délicate que périlleuse, comme en témoignent ces quelques corps disloqués que vous apercevez en contrebas. À mon avis, ils essayent de faire un escalier avec des corps, donc ils doivent pas être cool. Ils sont pris dans World War Z. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul participant à l'action suivante. Équilibre, d'accord. Tel un chat, vous retombez sur les pattes. Ok, donc deux réussites, enfin deux cartes pour deux réussites et on comptabilise que deux cartes. Enfin, c'est deux cartes au plus, mais on comptabilise que deux cartes. Et le pictogramme avec les deux mains, c'est aller voir saluer. Ok. Saluer. Ah oui. Ça veut dire que on est obligé de révéler ça, mais il n'y a rien qui nous oblige de le faire. Tout à fait. D'accord. Mais ça veut dire que voilà. On va en 0,27. On va les saluer quand même. Bien sûr. Alors. Plusieurs prisonniers s'agitent dans la plus grande confusion sur le palier où il y a encore quelques instants se tenait l'escalier menant au rez-de-jardin. L'unique point d'accès au rez-de-jardin. Évidemment, ils ont l'air contents. « C'est foutu! On est fait comme une belette dans un camp de carniflore !»« Ferme-la donc, Liam! Tu es aussi couard que tu es laid !»« Tu as vu ce qu'il reste de Mans ?» À une coudée près, il passait. Une coudée ! Et donc là, une épreuve de dialogue. Ce qui nous permet de bannir cette carte et de lire le dialogue numéro 10. Dans le carnet de dialogue, vous allez chercher tu parles numéro 10. Tu veux que ce soit moi qui fasse le diplomate dans cette histoire? Non, vas-y, moi j'ai du charisme. Mais ça va mal se passer. Vous vous placez au centre du groupe pour être sûr d'être entendu par l'ensemble des prisonniers. Je peux m'adresser à eux d'un ton autoritaire, diplomate ou blagueur. Oh, blagueur, c'est pas une petite blague. C'est pas du tout mon genre, en fait. Petite blague pour détendre l'atmosphère. On va y aller de manière autoritaire. Oh, j'ai pas l'intention de crever ici. Poussez-vous de là que je puisse prendre de l'élan. Et on lit la 05. Les prisonniers sont trop préoccupés par leur propre sort pour s'intéresser à votre cas. Ah, ils vous repoussent sans ménagement. T'es gentil, tu dégages. Et t'insistes pas ou c'est moi qui vais te donner ton élan. Oh la gueule du charisme. Non, décidément, ils ne semblent pas être disposés à vous prêter main forte. Prenons une carte 027. Là, je t'avais dit qu'il fallait... Oui, il y a bien marqué bannissez cette carte. Hein. Oui, et on la banne. Donc, il est trop petit. Il est trop petit, il passera. Ah oui. Oui. L'angoisse des prisonniers à court d'idées dégénère en invectives et bousculades. Au mépris du danger, aucun ne semble prêt à s'élancer par-dessus le précipice. Oh, que de la gueule, tu vois. Foutu de la merde. Et les plus anciens d'entre eux hésitent à désigner un garçonnet comme volontaire, entre guillemets, pour une nouvelle tentative. Il est trop petit, il passera pas. Et nous, trop lourd, trop vieux. Soit il saute de lui-même, soit c'est moi qui le balance. Essayons plutôt de te balancer toi pour voir. Donc ça strictement rien. Je sentais que ça allait être très cordial. Mais non, une petite vanne, ça serait trop. Du coup, tu vois, il m'empêche de le faire. Ouais. Et quand je me propose, maintenant, il dit eh, faut trouver quelqu'un. Voilà. Et voilà. Tu ne nous as pas aidé pour le coup. Non. Franchement, je suis roleplay, ouais, je ne peux pas être diplomate. T'as vu comment ils t'ont balayé ton autorité là. Je fais une petite frappe, je t'ai dit. Ouais, bah ouais. Bon, bah là, faut qu'on le fasse. Mais il faut qu'on le fasse un... Vas-y, l'autre quoi. Je place devant toi. D'accord. Bon, comme ça, je vais voir si c'est dur ou pas. Donc il faut que tu te tires deux cartes ou plus, mais il n'y en a que deux qui sont comptabilisées. Je pense que je vais en prendre 4, ça me semble correct. Ok. Aucun objet à mettre en jeu. Easy. Bam, on prend les deux là. Et ça fait deux réussites. Et puis les autres, on se fiche. Ok. Donc, je passe tel un félin sur le rebord. Bah voilà, tel un chat, vous retombez sur vos pattes. Mettez une carte 041 en jeu à l'emplacement indiqué. Oh là là. Si elle n'y est pas déjà, déplacez votre figurine dessus. Je sais pas pourquoi, mais... Et ça oublie de préciser que je jette un œil en arrière en regardant mes collègues en haut. Je suis passé, moi. De petits joueurs. Vous dévalez 4 à 4 les marches de l'escalier et débouchez enfin à l'air libre. Votre regard incrédule se porte vers le trou béant qui déchire la citadelle en deux. Un amoncellement de roches a, tel un raz de marée, submergé une large portion du bosquet sacré dans la poussière qui se disperse des prisonniers paniqués, courent en tous sens. C'est magnifique. Et alors, pour rappel, on ne sort jamais de la citadelle, donc on ne sait pas à quoi ressemble l'extérieur. Enfin, vous, ça fait des années que vous n'êtes pas sortis. Ouais, voilà. Bien sûr que vous allez sortir, évidemment. Non mais voilà, pour nous, on ne sait pas à quoi ressemble le monde dehors. En tout cas, il ne ressemble pas à la carte que vous avez, c'est sûr. Bah, viens Jean-Rémy, je t'attends. Fais pareil. Bah oui, fais pareil. Oh là là, je le sens. Et il me reste deux cartes, ce qui est parfait. Je suis au top. Je le sens l'échec. Je le sens l'échec. Parce qu'en plus là, perdez 3 points de vie, mettez une carte en jeu. Enfin, ça sent la catastrophe, moi. Après, tu peux les utiliser comme passerelle et les mecs. Tu les empiles. C'est dommage que t'aies foutu la merde, j'y serais allé avec ma petite vanne. Je suis sûr que ça serait passé crème. Si t'avais gardé le corps. Bah oui, si j'avais gardé le corps. Oublie pas que tu peux toujours tenter de faire une épreuve de magie. Hein. Ça se trouve, collier magique, tu flottes. Tu veux que je fasse quoi? Ils me disent retire sa carte, vous êtes épuisé. Ah, c'est juste ça. Juste épuisé. Non, mais le jeu ne comprend pas que tu n'es pas fatigué. Non, je suis pas fatigué. Je suis blessé. Je pars sur 4 cartes. Mais votre état là, ça vous donne des. Ouais. Oui, c'est-à-dire que pour chaque. Ah, mais oui, mais c'est vrai que t'as 2 réussites quoi qu'il arrive. Pour chaque joker. Ouais, mais il faut que j'ai les cartes, faut que j'ai des icônes. Ouais, c'est pas sur toutes les cartes. Il faut le joker. Oui, pas un drapeau. C'est pas n'importe lequel. Ah, c'est pas n'importe lequel. Non, du coup, c'est le joker avec des cartes. Je pars sur 4 cartes. Easy. Easy. Tu le fais même à cloche-pied. Ouais. Bon. Hop là. Donc mes 2 réussites, donc je réussis. J'ai réussi, j'en récupère aucune, hein. Non. Tu vois, c'était pas dur. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Parce que je rappelle. Depuis tout à l'heure, non, j'ai regardé, je vois rien. Moi. Ouais. Après, ah, bah si, non, mais c'est une quête, j'ai pas besoin de revenir. Je vous tout ce que vous avez raté. On fait un débrief, une autre vidéo, ouais. On passera 2 heures à dire voilà, non. Tu vois, là, t'es là. Non, mais je vais pas en vidéo parce que. Par contre, il y a mon esprit botaniste du 7ème continent qui se réveille, je vois des plantes partout, je me dis, je peux faire quoi avec ça et ça et ça, ça donne quoi? Soit on observe, soit on se... J'ai perdu le nom de ça, mais c'est... C'est aller voir visiter. Aller voir visiter. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on n'a pas rencontré un seul nécrodroïde depuis qu'on est dans cette citadelle. Bah écoute, ils sont tous morts peut-être. Ils sont tous partis. Mais on est dehors, c'est tout ce qu'on voulait. On est dedans en fait. Oui, enfin dedans. On est dedans dehors là. Ouais. Alors est-ce que tu veux qu'on arrête là? Parce qu'on a déjà quand même fait pas mal de choses. Vu que c'est le scénar d'intro, on risque de spoiler après. Mais on doit être vers la fin là. Ouais, vous êtes à la fin là. On peut s'arrêter là. Bah, vers la fin, c'est genre. Là, une action, c'est fini. Ah, dans une action. Ça dépend comment vous la faites, mais okay. Normalement, à une action. Bon, alors on continue, comme ça au moins on va jouer. Voilà, moi, je pensais qu'il restait encore un peu plus. Non, ça. Ok, d'accord. Voilà. Bah, à mon avis, l'exploration, c'est ce qui est conduit vers l'extérieur. Alors, on part sur l'exploration, 047. Je pense qu'on va en 047. Je le fais ou tu le fais? Vas-y. Vas-y, je le fais. Vas-y. Ou vas-y. Attention, c'est 1-0. Oui, faut que tu dépenses ta carte quand même. Je dépose ma carte, donc ça si je peux pas la garder. Un vent chaud s'engouffre par la large brèche qui scinde désormais le mur d'enceinte en 2. Il ne vous reste plus qu'une centaine de toits à franchir pour recouvrer la liberté. Vous accélérez quand un corps désarticulé vient s'écraser à vos pieds. Un arbre gigantesque, bourgeonnant de crânes, laisse libre cours à sa folie sanguinaire et fauche frénétiquement les fuyards qui escaladent les décombres. Dans votre dos, les cellules s'effondrent les unes après les autres, vous privant de toute solution de repli. Ok, donc en fait, les arbres, c'est... Oui, c'est plus, en fait. C'est plus que des arbres. C'est un combat. Ouais, je vous laisse mettre le dé, donc c'est un 2-4. Donc il commencera à 4, celui-là, c'est un combat en 3 étapes. Je suis plus du tout équipé. Donc là, ça permet de garder une carte, mais de perdre une carte de la pioche. Bannissez une carte 123. Ouais, c'est disponible. Et il faut le faire en 4 coups et c'est au moins 2 cartes. Waouh, et c'est 4 réussites. Ouais. C'est chaud. Bah là, surtout que après on peut se planter pour la suite, mais sur celle-ci, c'est surtout bannissez une carte 123. Ouais. Qui, pour le coup, faut qu'on mette le paquet sur cette première action. Moi, pour le coup, je peux donner que j'ai qu'une seule réussite automatique. Si je tire à cette carte et que je tombe sur le joker, je peux aller jusqu'à 2 réussites. Il faut avoir le joker. Il y en a beaucoup qui sont passés là. Ouais. Enfin, voilà, mais ouais, il y en a pas mal qui sont passés. Ouais. Donc je pense pas qu'on peut compter sur les jokers pour le coup. Bah, le problème, c'est qu'il me reste plus que 3 cartes quoi. Bon, mais 10 points de vie. Ah, mais oui, je suis bête en fait. La quête de Shirley, c'est dessus. J'ai pas besoin de regarder partout. C'était juste le fait de regarder et de tenter ma chance. Oui, c'est quand tu liras l'épilogue en fait. Ouais, non, c'est quand on la bannit, quand on la lit. Ah oui. Ah ouais, mais bon, une réussite, 4, chaud quoi. Ouais, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps, on a un arbre, nécro-arbre qui nous bute. Voilà, j'ai perdu mes 5 points de vie, j'ai refait mon deck. Je peux garder que 2 cartes, j'ai aucune chaîne. Il n'y a pas d'effet insaisissable sur cet arbre. Est-ce que ça vaut pas le coup que je te file des équipements là? parce que t'as faux, est-ce que, enfin ton. Bah moi c'est arme secondaire et je n'ai pas le droit d'utiliser 3 fois. Mais c'est ce que je te dis. Est-ce que tu veux pas? Si j'ai 3 fois arme, ça ne marche pas. Non, non. À partir du moment où vous utilisez une carte, vous ne pouvez pas utiliser une carte qui a un mot clé présent dans la carte que vous utilisez. C'est vrai. Donc il me faut. Ah ben non, moi j'ai arme secondaire. Dans tous les cas, je suis. Ou alors vous utilisez. Tu utilises que celle-ci, je sais pas ce qui est le plus intéressant. J'ai pas l'impression que la roue elle soit plus. Un de réussite au combat et l'autre c'est. Je peux tirer drapeau. Alors je pense que le tien est plus intéressante en vrai. Ouais, je sais que le combo des deux, non, je pense que la fille est plus intéressante. Ça s'appelle. Oh là là, mais le deuxième c'est 2-6. Oui. Sinon on peut regarder au-dessus, il y a peut-être un passage. Au pire on peut se casser. On peut peut-être regarder ailleurs, c'est. Ne racontons pas tout, on sait. Donc que c'est. C'est une 1-0. On sait que c'est terrible. Tu pioches ou tu pioches? Mélanger une carte. Et eh ben je vais faire ça, regarde. Je vais utiliser Prévoyant. D'accord. Qui fait à l'étape de conséquence. Ah non, conséquence c'est ici. Ouais. Donc ça marchera pas pour ça. Non bah si, parce que l'étape de conséquence c'est. Ah bah oui, c'est un cartouche blanc. Donc ça veut dire qu'à l'étape de conséquence, je mélange une carte action que j'ai révélée pour la remettre dans mon deck au lieu de la défausser. Donc ça ne me coûte rien. Ça te coûte rien. Et je la remélange. Ouais. Artificiellement. Voilà. Ouais, parfait. Oh là là, les combos, messieurs, les combos. Vous vous tournez vers le jardin où, hier encore, vous vous échiniez à récolter du suc d'Omnicura. Vous avancez prudemment et remarquez un buisson coffre qui erre, visiblement désorienté. D'ordinaire, on ne croise ces créatures que dans les quartiers des nécrodruides où elles ont la charge de certains artefacts précieux. Ce spécimen semble avoir été fortement endommagé par les chutes de pierre, comme en témoigne son contenu éparpillé non loin de là. Ah, c'est marrant comme plante. Le buisson coffre est pris à partie par une nuée de volatiles agressifs qui ont dû flairer quelque chose d'alléchant parmi ses trésors. Ils ripostent en décochant de redoutables épines à la volée. Peut-être pourriez-vous profiter de cette diversion pour vous emparer de quelques objets de valeur, mais évidemment. Alors c'est un test de furtivité, il me faut 3 réussites pour 2 cartes à conserver. Comment je peux faire des réussites avec de la furtivité? Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais en fait, tous les tests sont extrêmement difficiles. C'est chaud, hein. Là, il nous reste 2 choix qui sont ultra durs. Hein. Bah, le combat, c'est ce qui va être le plus dur, mais je pense qu'il faut qu'on attaque direct le combat, en fait. Moi, je pense qu'on trouve un désherbant dans le coffre, et ça one-shot l'arbre. Un sacré désherbant, sacré efficace, hein, quand tu vois le gueule de l'arbre. Bah. Non mais disons que scénaristiquement le coffre ne serait pas tombé là par hasard, il y a une intervention divine quelque part. Oui, non mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais ça va nous coûter beaucoup de ressources pour un résultat dont on ne connaît pas le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais mais là on va mourir. Là on connaît l'issue. Vous avez encore plein de points de vie. Enfin, il me faudrait 4 réussites. Ouais, 4 réussites, mais c'est extrêmement chaud quand même. Vas-y, prends ton initiative, je vais voir comment se passe le combat et puis je vais... Il me reste que 3 cartes, hein. Ah bon, d'accord, donc c'est pour ça que je te dis, en fait, il n'y a que toi qui... Là, il n'y a que toi qui va faire quelque chose, hein. Il reste 3 cartes, il reste 3 cartes. Non. Moi, je crois dans le désherbant. Tu crois en désherbant? Je crois dans le désherbant, donc je vais prendre 4 cartes. Ok, donc tu fais l'action ninja. 1, 2... Non mais sans déconner. 3, et voilà. Sans déconner. Bon, peut-être que j'aurais mieux fait de les mettre dans l'arbre. Oui, c'est pas grave. Pourquoi tu l'avais oui, c'est le défaut, c'est exactement. Au plus, en pleine vidéo, c'est beau, monsieur. Par contre, je crois que vous avez le temps d'en garder. Tu peux en garder une. Je peux garder une parmi les... Défaussez une carte que vous venez de révéler et piochez-en une à la place. Choisissez une carte dans... Voilà, celle-ci, 100%. Ah non, mais mettez-la dans votre main ou mélange. Ah oui, ouais. Mais je pense que je vais avoir besoin de tenter ma chance et de rajouter un 2 réussites quelque part. Donc, je vais faire ça, je l'utilise tout de suite et je le remets dedans et je mélange. Okay. Vous saisissez une cordelette qui tient lieu dense à ce pot d'argile. Une fois en sécurité, vous retirez son bouchon. Le récipient est rempli d'un... T'es sûr que c'est... Bah, 0,45. Ah oui, c'est ça. Je vais peut-être manquer ma vue. Le récipient est rempli d'un épais liquide extrêmement inflammable. Une solution extrême, mais au demeurant radicale. Ah bon. Lorsque les nécrodruides doivent contenir la menace représentée par certaines de leurs créations végétales. Ah bah, en bas, en bas. Ah. Kazek. Oh le regard, je l'ai senti, le regard. Genre, j'avais raison. Je suis l'élu. Bah oui, non, mais de toute façon... De toute façon, si j'avais fait le choix, on n'aurait pas fait tout ça. On le sait tous, c'est toi qui devais le faire. N'oublions jamais Bergrün. Donc, là, donc vous transportez une arme aussi une bombe incendiaire puissante que dangereuse. Si vous prenez une carte, vous êtes blessé, eh ben, on prend encore plus cher, j'imagine. Et par contre, ça met 4 réussites d'office, donc ça voudrait dire que... Est-ce que ça... Alors la question, c'est de savoir comment on l'utilise. Ah bah sur la deuxième étape. Alors, je suis d'accord avec toi, mais la première, on va bannir des cartes 123. Sur la première étape, on bannit des cartes, alors que l'autre d'après, on ne perd entre guillemets que 2 cartes. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? C'est le sujet de la conversation. Tant qu'on ne perd pas des points de vie, concrètement. Je sais pas, les 123, si c'est là en première... Ça parle, c'est 1, 2, 3 et un truc mystique. Je sais pas, je me dis qu'il y a quelque chose. S'ils te disent bannissez cette carte, une carte... De oui, donc il y en a plusieurs. Tu veux que je regarde? Regarde donc combien il y en a. Bah, j'en vois 2 en fait. J'en vois que 2. Ouais. Ah, j'en vois qu'une. Ah, j'en vois qu'une. Ah ouais, bon. Donc est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser là? Et après, on sait que les autres, on va échouer au moins 2 fois, mais on va perdre 2 cartes. Enfin, tu vas perdre 2 cartes. Les points de vie, moi je veux savoir ce qui se passe quand on en a 20. Bah, non, mais en fait, je t'explique, tu perds des... On peut perdre qu'une fois 2. Oui, et après, c'est quand tu échoues. Là, c'est quand tu vas réussir que tu vas perdre 2 points de vie. Ah oui, c'est en réussite, ok, c'est que le combat. Ouais. Quand tu échoues, enfin, c'est comme ça que je fais mon calcul en fait. Je me dis, on va échouer au moins 2 fois, donc on va juste perdre des cartes. Alors, rappelle-moi, donc sur le 2-6. Si j'ai 4 réussites, je perds mon action, je fais ça, mais je baisse le dé de 4. C'est ça. Oui. Ok, oui, donc il faut pas réussir en fait. Il faut essayer d'échouer pour baisser le dé, mais... de toute façon, on sera obligé de réussir pour que le dé... oui, ah bah oui, pour descendre, à un moment, il faut... Alright. Un participant ça donne 2 points de vie. Donc c'est-à-dire que les points de vie qu'on pourrait perdre pour le coup, tu pourrais l'utiliser pour le faire. Comme ça, on reste sur nos trucs. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a que toi... qui peut faire au départ. Voilà, on en revient à ça, il n'y a que moi qui peut faire que toi. Bon. Parce que, donc là, on fait la première, tu dois tirer 2 cartes. En toute honnêteté, j'ai plus confiance... Non mais, fais-moi confiance. D'accord. Ça va bien se passer. Ça marche. J'utilise ma cognée. On va attaquer l'arbre. On va attaquer l'arbre. Ok, ça marche. Et on ne retrouvera jamais Shirley, hélas. Je vais piocher. Alors, je peux me rajouter un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comprends que tu peux garder que 2 cartes en main. Je vais faire 3 × 4. Donc là, on va faire 4 cartes pour le premier. Oh. Putain, mais lui, il s'en déconne. Alors, donc là, je peux en garder 2. Je vais garder ça et ça. Ce qui me fait 1, 2 réussites. Attends, t'es sûr de ton coup? Alors, je suis en train de faire de compter. Parce qu'avec la cognée, donc, que j'ai mis là, voilà. Avec... Je gagne d'office. Ah non, maintenant, je confonds avec les drapeaux, pardon. Voilà, je peux utiliser ça. Ça, ça me fait une réussite. Donc, ça me fait passer à 1, 2, 3. Il n'y a pas un saisissable sur lui, donc on s'en fout. Ouais, non, là, ça fait que 2 réussites, donc c'est pas bon. Ok. Alors. De toute façon, t'as pas... en fait, tu pourras pas faire mieux. À part si tu peux te rajouter... Je peux défausser cette carte qui me fait monter de 1. Ouais. Ah bah si, bah voilà. Non. Là j'ai une... Ouais, donc j'en fais que 3 en fait. Oui, mais Mathieu, il va absolument que je réussisse. Non, c'est pas que je ne défausse pas, pardon. Mais c'est pas grave, c'est tant pis, tu as commencé sans utiliser... T'aurais dû dire au départ que tu utilisais ta bombe incendiaire, donc on a plus le choix. Non. C'est pas grave, bon, bah voilà, je défausse ça, donc ça me fait une... 2, 3. 3. Avec un symbole force, disons. Voilà. Donc je le baisse de 3, je suis navré Mathieu, mais nous défaussons la carte en question. La carte avant de... Non. Spoil. Interdiction. Je le dis pas aux gens. Vous gagnez le jeu. Non, mais je le dis pas, mais faut... Un conseil, faites tout pour pas le défausser. Ne défaussez pas cette carte. C'est quand même un sacré avantage. Bon, du coup... Pas pour le combat, mais pour... Il est à 1. Alors, est-ce que tu veux que je le fasse là? Bah oui, parce que je n'arrive pas à le faire. Bah, avec la cognée, c'est automatique. Avec la houe. Avec la houe, pardon. Avec la houe, oui. Donc là, par contre, il faut quand même tirer 2 cartes. Mais il faut qu'il arrive à... Attendez, vous aviez droit dans... Ah oui, je pouvais garder une carte dans cette carte défaussée. Une qui est défaussée. Une qui est défaussée d'ici, automatiquement. 1, 2... Et bah écoute, je défausse mes 2... Enfin, je pioche 2 cartes. Donc, bah, j'ai 2 réussites. Celle-là, je l'avais piochée, j'ai utilisé ça. Automatiquement, ça réussit. Et j'ai utilisé... ça. Voilà, donc je peux garder une carte parmi celle-là. Je suis pas du tout charismatique, ça bloque un dégât. Allez. Je peux pas en piocher, non rien du tout, c'est quelqu'un qui est chaud. Voilà. C'est une catastrophe, il ne reste plus qu'une carte. Et donc je bannis, enfin je défausse la première. Qui était pas mal, c'est dommage. Mathieu. Okay. Bon, je viens l'étape donc que je fasse, je tirais 2 cartes obligatoires, je pouvais pas les baisser, j'ai checké, j'avais rien pour baisser. Mais du donc coup c'est un échec puisqu'il a eu que 2 réussites. Bah non, non parce qu'elle était à 1. Elle était à 1. Ouais mais... C'est un échec, c'est une réussite quand vous descendez le dé. En fait ça veut dire que ce nombre d'étoiles... Bah en fait il sert à quoi ce nombre d'étoiles? C'est le nombre d'étoiles au départ du coup. Mais que au début. Oui, parce qu'à chaque fois que vous réussissez des succès vous diminuez. Ok donc c'est une action évolutive. C'est pour ça que je le faisais parce que vu que j'avais que peu de cartes à utiliser, que j'avais ma houe. Je comprends. Donc là pour le coup, pour moi là il faut que tu jettes ta bombe. Alors réfléchissez bien quand même. Parce que là c'est une 2-6, après c'est une 1-4. Sauf qu'après à chaque échec... Vous allez prendre des dégâts. Ouais. Alors que là, les échecs ont moins de conséquences quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Faites comme vous voulez. Mais... Ouais, c'est vrai, mais tu viens un peu nous orienter quand même. Un petit peu. Disons que si vous aviez lu attentivement, vous l'auriez analysé comme ça. J'ai une idée. On va perdre des cartes. Je vais sortir mon acognier, décidément. Ok. Voilà. Et donc on ne va pas utiliser la bombe incendiaire. D'accord. T'as toujours 10 points de vie. J'ai toujours 10 points de vie pour l'instant. Garde-les. Okay. Donc je réutilise ma cognée. On part en combat, je ne vais tirer que 2 cartes cette fois. Ok. J'y crois, pour croire en l'âme des cartes. Ce qui me fait 2 réussites. 3 réussites grâce à la cognée. Ok. 4 réussites grâce à cette carte que je défausse. Ok. Mais comme c'est ma spécialité la détermination, je ne défausse pas cette carte, mais je défausse celle-ci à la place. Et donc, ça me fait 3 réussites. D'accord. Je garde une carte en main. Oui, c'est ça, je garde une carte en main. Parmi celles que j'ai piochées... Non, on est à 4 réussites, là. Ouais, 4 réussites, ouais. 1, 2, 3, ah oui, 4. Pardon, 4, ouais. Donc 4 réussites, ce qui est pas mal, parce que du coup, on passe, ça passe. Une 2 sur 2, mais par contre, tu dois défausser 2 cartes. Après, c'est 2... Ouais, ouais, mais... Et surtout, vous avez regardé une carte de ces parmi celles-là. Ah, voilà. Bah, attends, je vais garder ça, qui m'a l'air très puissant. Ça, on défausse. Ouais, c'est pas mal, ça aussi, quand même, pour toutes les chaînes. J'ai plus besoin. D'accord. Parce que j'ai la bombe à salle. Oh, dur. Dommage. Dur. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut tirer 2 cartes. Moi, j'en ai qu'une. Donc je peux vraiment clairement rien faire, en fait. Il faut que tu foires. Pourquoi faire? Parce que si tu foires et que t'as 2 réussites... Non, ah ben non, parce qu'on considère carte, que tu perds tes points de vie. Je vais perdre... C'est toi qui continues, en fait. C'est chiant, Mathieu. Bah oui. J'y retourne. Mais j'ai tout fait au départ, aussi. Hein. Bon, j'y retourne avec 2 cartes. Ouais, 2 cartes. Pas le choix. Je pense que... Oh là 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 là, la violence de mon personnage. Donc là, j'ai 2 réussites d'office grâce à ma houe et à ça, sans utiliser de carte, donc je perds 2 points de vie. Bah non. Ah si, parce que t'as réussi, excuse-moi. Je garde une carte en main à l'étape de résultat après avoir révélé les cartes, mais avant de les comptabiliser, piocher 2 cartes supplémentaires, on bloque ça. Bah non, non, je vais garder mon joker, j'aime bien le joker. Ça marche. Et là, on arrive sur la dernière étape. Donc vous perdez quand même 2 points de vie. Oui. Tu perds 2 points de vie. Oui, mais en fait, je les comptabilisais pas, puisque tu perdais ça. Je croque tout de suite. Donc je les garde. Oui, mais faut le faire. Et là, je finis. Je suis désolé, Mathieu, je te vole la vedette. Pas de soucis. J'engage ma houe, on sait jamais, pour jouer au baseball avec la bombe. Ouais, une réussite. 5 réussites, overkill. Donc je bats le monstre, je prends pas de carte blessée. Non, et tu passes en 0,51. Je l'explose à la bombe incendiaire, je prends la carte 51. Et ça, c'est comme ça qu'on gère un arbre nécro. Franchement, chapeau. L'arbre se rétracte, repliant sur lui-même, ses longues branches noueuses en une sorte de cocon protecteur. Vous restez un instant interdit, craignant une ruse de l'abomination, mais elle demeure immobile. Vous comprenez alors que vous l'avez vaincu. Hurrah! Les survivants vous acclament, brandissant leurs armes de fortune ou leurs poings nus. Eux, hein? Ouais, les 4 d'en haut. Hurrah! Restez bien là-haut. Dans un ultime effort, vous gravissez le monticule de roche qui vous sépare de la sortie. Victoire! Victoire. Félicitations, vous avez triomphé de cette introduction à The 7ème Citadelle. Ouvrez le scénario d'introduction du talent. D'introduction, un nouveau départ à la page indiquée par le marque-page et lisez l'épilogue. Et donc, je suis désolé. Où est Charlie? Quand on lit l'épilogue, on bannit Où est Charlie? Non, mais quand même, trouver la souris à 1-4, c'est dur. Ouais, c'est chaud. Donc, c'est ça. Retirer le marque-page et tourner cette page pour le lire. Épilogue, c'est parti. Des ruines de la citadelle, vous émergez à la tête d'une poignée de survivants hagards. Pour la première fois depuis une éternité, vous contemplez le territoire désolé qui s'étend par-delà le mur d'enceinte de la citadelle. Dans votre dos, l'étage où se trouvait votre cellule achève de s'effondrer dans un fracas infernal. Tels des fantômes, les derniers pionniers s'extirpent de la citadelle. Vous ignorez ce que vous réserve le monde qui s'offre à vous, mais au moins vous êtes libre. Défaussez toutes les cartes du plateau. Les personnages inconscients redeviennent conscients. Chaque joueur mélange les cartes de sa main et de sa défausse dans son deck d'action et débloque les cartes présentes sous sa carte personnage. Ah, donc à la fin d'un scénario, on peut les récupérer. Et Brooks devient définitivement l'élu. C'est écrit. C'est strictement écrit. Ah d'accord, je te crois. Vous avez mis à profit les heures écoulées depuis votre évasion pour reprendre des forces. Lorsque vous émergez du sommeil, une multitude de visages émaciés vous observent comme s'ils attendaient à ce que vous preniez les choses en main. Don't worry, I'm gonna make it. Vos regards se portent par-delà la foule des survivants et vous remarquez que le ciel est dégagé. Les nuages de poussière qui trahissent généralement l'action pernicieuse des fouisseurs semblent avoir disparu. Se pourrait-il que le conflit ait rencontré un tournant décisif? Si tel était le cas, les terres alentours devraient être suffisamment sûres pour que vous puissiez les explorer et chercher un début de réponse à ce mystère. Mais il serait suicidaire de vous mettre en route sans préparation ni équipement. Il convient de s'organiser. Vous vous raclez la gorge, mais aucun son n'en sort. Hein, merde. Qui êtes-vous pour commander à ces gens? Je suis Brooks. On l'a bien vu tout à l'heure, c'était très convaincant. Alors, état des lieux. Donc les survivants, plus d'une centaine de prisonniers sont parvenus à s'échapper. Il faut lire ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord, c'est là, plus d'une centaine, pardon. Ouais. Parce que... Donc les survivants, plus d'une centaine de prisonniers sont parvenus à s'échapper de la citadelle. On gagne 2 en tonneaux. Ça doit être les réserves, j'imagine. Ouais, alors, on démarre toujours à 0. Tout à fait. Ok. Donc, on passe à 2 partout, en fait. 2 productions, 2 défenses et 2... Sauf l'influence, en fait. Savoir. Ouais. Nommez votre communauté sur la page communauté du feuillet. Donc, je vais l'appeler la communauté de Brooks. Ma communauté. Gang of Brooks. Et prenez une carte 99 si disponible. Ok. 99 si disponible, je pense. Tu vois, on parle... Ah, merde. J'allais dire, tu vois, on parle pas de la carte 123. Ah, prenez 123. Allez, allez. -1. Vas-y, je te laisse choisir. L'espoir renaît. Le fruit de vos actions commence à se faire ressentir sur le monde qui vous entoure et vous-même. Cochez une case sur la page de destinée du feuillet citadelle et appliquez son effet. Bloquez cette carte. Okay. Et là, c'est horrible parce que tu dis, bon, bah, où est-ce que je vais? Tu commences du centre, bah, après, il faut voir tous les effets. Ah, tu prends le premier au milieu? Ouais, tu commences toujours du centre. Et après, tu vois les effets, notamment, ça vous permet, chaque joueur, de piocher une compétence réflexe. Ah oui, c'est écrit en bas à droite. Chaque joueur acquiert une carte compétence réflexe au hasard, si elle est disponible, et la mélange dans son deck action. Ça correspond aux cartes expérience, en gros ? Tout à fait, aux cartes avancées. Alors, les cartes avancées, il en existe 2 types. Il existe les compétences avancées, qui sont la grosse majorité, et les compétences réflexes. L'intérêt, les compétences avancées, elles sont toutes différentes. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans une classe plutôt qu'une autre. Les compétences réflexes, c'est toutes les mêmes. La particularité qu'elles ont, c'est quand vous la piochez, elle vous autorise à piocher une carte de plus immédiatement, mais surtout à récupérer une compétence réflexe et une carte en plus dans votre deck. Une compétence avancée, ça vous demande d'enlever une carte compétence, n'importe laquelle, pour prendre une compétence avancée à la place. Ok. Donc il faut équilibrer un peu les deux. Voilà, c'est intéressant ce système de compétences avancées différents là. Ouais. Donc limitez la casse, prenez une carte 123, si elle n'est pas disponible, -1. -1. Je suis navré, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est passé à pas grand chose, hein, à une réussite. Hein. Éline, si un personnage à la carte Éline inconsciente, bannissez-la, lisez 012. Ah bah non, désolé. Hein. Et ils auraient dit qu'elle était morte, je suis sûr. Elle aura fait... Voilà. Et Ratko, si vous avez banni une carte 158, non, on l'a pas banni, ok. Ah bah ça doit être au niveau de la carte, le mec là-haut. Lisez 019. Donc sauvez les gens. Voilà. Plusieurs semaines ont passé. Sous des toiles élimées entassées contre les remparts et dans les alcôves éventrées, les survivants menacent de se désunir. Tiraillés par les tensions à la fin. Vous n'avez plus le choix désormais, c'est naturellement que vous leur présentez un projet plein de promesses. De quoi occuper les mains, les esprits et avant tout remplir les ventres. Des ruines de la citadelle, vous retirez les matériaux nécessaires à l'établissement d'un camp de fortune. Au beau milieu du bosquet sacré, vous plantez un potager qui ne tarde pas à procurer fruits et légumes en abondance. Quelle revanche sur les nécrodruides qui en proscrivaient la consommation. Édifier, semer, instruire... Pas une journée ne s'écoule sans que tous les vôtres ne soient accaparés par cette vaste entreprise. Et peu à peu, l'espoir renaît. Débloquer les cartes 99. Chaque joueur range ses cartes épuisé, confus, blessé. Tu peux ranger. Et vous êtes malade. Au terme d'une nouvelle journée de labeur, vous contemplez l'œuvre accomplie. Votre œuvre, mon œuvre. Protégée derrière un talus défensif, les habitations débordent largement de l'enceinte de la citadelle. Bientôt, la salle commune s'emplira de conversations animées et de rires d'enfants. Pas ceux d'Éline, hélas. Tout cela en à peine un an. Alors que disparaissent les derniers rayons de soleil, il faut vous rendre à l'évidence. Malgré ce que vous avez réalisé et les vies sauvées, vous savez que cette victoire précaire. Impossible de continuer ainsi à vivoter sur les restes de votre ancienne geôle comme des charognards. N'en déplaise à certains, restez trop longtemps captifs pour embrasser de nouveau la liberté. Les premières expéditions ont permis de reconnaître et sécuriser le territoire environnant. Mais ces maigres ressources ne subviennent plus aux besoins de votre communauté, grossie par les naissances et l'arrivée de trop nombreux réfugiés. Depuis votre évasion, vous guettez l'horizon, vous interrogeant sur les raisons de tels bouleversements, vous demandant ce qui se trouve au-delà et pourrait en surgir. Ces constructions qui se découpent dans le crépuscule et ces minuscules lumières scintillantes dans les profondeurs de la nuit vous attirent. Il y a de la vie là-bas, un monde à découvrir et à relever de ces décombres. Une fois encore, vous allez devoir donner l'impulsion. Demain, avec l'aide de quelques volontaires, vous vous aventurerez plus loin que vous n'êtes jamais allé, à la découverte de tant de mystères et secrets assoupis. Prenez une carte 142 et mettez-la en jeu à l'emplacement indiqué sur la map monde. Lorsque vous êtes prêt à partir à l'aventure, choisissez un autre livret de menaces parmi ceux disponibles. Tiens, 142. Vous avez envoyé quelques volontaires reconnaître le territoire alentour. Il faut dire que vos responsabilités au camp vous interdisent de vous exposer inutilement. Les éclaireurs reviennent au bout de quelques jours, porteurs de nouvelles intéressantes. Et là, on a une carte. Donc, on avait un terrain connu, je ne me trompe pas, 142 ici, hop là, et qui devient celui-là, avec 130... La citadelle. Ce picto-là veut dire au point de départ. D'accord, ok. Donc on démarra la carte 130 désormais. Quand à chaque début de chapitre, vous pourrez démarrer. À chaque fois que vous avez un symbole comme ça, vous pouvez choisir de démarrer dans un symbole comme ça. Qui est notre citadelle. Okay. Et c'est la fin de ce chapitre d'introduction. On a réussi à finir la carte et on doit prendre deux cartes 0,99. Mais c'est pour l'expérience, on va le montrer, les gens verront ça quand ils auront le jeu. Ça vous permet de cocher tout de suite directement trois cases sur le... Ça vous répond. Ok. Et ça, donc, c'est pour tout le groupe. C'est pour tout le groupe. Okay, à chaque fois que vous touchez un bonus, c'est pour tout le groupe. Donc, il faut être d'accord sur la... Ouais. Donc, c'est celui qui a sauvé la citadelle qui est choisi. Oui, oui. On va reconstruire. J'ai compris, c'est bon. Et alors, du coup, à l'avenir, on va partir sur une carte 130. Je vois qu'il y a des petites icônes de pioche et montagne. Oui. Comment ça fonctionne? À chaque fois que vous envoyez un éclaireur, vous pouvez aller, vous pouvez l'envoyer sur une case adjacente à ce picto-là. D'accord. Maintenant, vous pouvez les envoyer ici ou ici. Et je suppose que sur certains pans de cartes, il y aura plus qu'une carte de départ. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Du coup, tu vas pouvoir couper ta région en plein de sub-régions. Il y aura des nouveaux départs, tout à fait. D'accord. Bah, quelle belle aventure. Bah, une introduction plutôt propre, hein, à Constantine. Très, très scénarisé, et là pour le coup ça fait vraiment film d'action. Et à moins ce côté t'es perdu, débrouille-toi, c'est... Bah, chaque scène est vivante, chaque scène est très prenante. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais on est sur... En fait c'est impressionnant de se rendre compte qu'avec les mêmes mécaniques, on a une expérience de jeu qui est complètement différente par rapport au 7ème continent. Mmh. C'est vrai que ça pouvait être la crainte au départ, au début, quand le projet avait été annoncé, c'est vrai qu'on s'est dit sur quoi ils peuvent partir, et en fait quand on voit tout ce qui a été fait, t'as vraiment deux jeux complètement différents. Ce qui fait que même ceux qui ont un 7ème continent peuvent clairement prendre le 7ème citadelle, ou même ceux qui n'ont pas aimé le continent pour certains aspects, peut-être s'y retrouver sur la citadelle selon les goûts de chacun. Hein. Bah, c'est ce que j'entendais, c'est ce côté survie qui était parfois trop lourd, et l'envie et le besoin d'explorer en fait ce continent. C'est vrai qu'il est inconnu, tu as envie de tout connaître, donc tu pars dans tous les sens, en fait, et donc tu perds parce que tu n'as plus de classe, tu n'as plus de cartes. Là au contraire... Bah, on sent que tu peux, fais-toi plaisir, quoi. Découvre le monde, c'est l'objectif. Ouais, on est vraiment pas cette partie là-dessus, effectivement. Axé sur l'aventure, l'exploration, plus de liberté, moins punitif, un peu moins punitif, effectivement. Après, mais ça se ressent. Bon bah voilà, en tout cas, je pense que la vidéo sera coupée en deux parties. Parce oui. que... 2 heures plus. 2 heures, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on était porté dans l'aventure, j'ai pas vu le temps passer, donc peut-être qu'on fera une partie vidéo, il y aura que la partie des règles, et puis après la partie, comme ça vraiment ça permettra aux gens de pouvoir... se faire un avis en tout cas sur ce scénario, donc encore une fois merci. Merci de nous avoir reçus. C'est un énorme plaisir en vrai, c'était vraiment un gros kiff de pouvoir essayer ça, de pouvoir se retrouver pour essayer ça, c'est excellent. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez participé à l'aventure ou pas, parce que au moment où la vidéo sort, la campagne est lancée. Donc j'imagine qu'elle est déjà en succès, qu'il y a plein de... on ne compte plus, on a cassé tout ça. On voyage dans le temps avec les vidéos, mais alors, en tout cas on espère un grand succès. Bah voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à nous dire ce que vous en pensez, à lâcher le petit pouce, à vous abonner. Et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut tout le monde.